Et bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Level Up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le samedi 15 juin, j'ai laissé couler une semaine, surtout pour pas... Parce que la semaine dernière, c'était le week-end aussi du Summer Game Fest, donc je m'étais dit que faire une émission en plein pendant l'événement, alors qu'il y avait tous les streams, des conférences, etc., même si c'est pas forcément de l'actu du JRPG, hein. il y en a eu très peu au Summer Game Fest, très peu. On va y revenir, mais même si c'est pas forcément de l'actu du JRPG et tout ça, au moins pour pas faire une émission, on va dire, qui contrecarre. Mais même j'attendais aussi, je voulais attendre si... J'avais espoir en Xbox, je pensais que Xbox allait nous donner des informations sur quelques petits JRPG par-ci par-là. Même pas de trailer de Vision of Mana. Dans la conférence Xbox, j'ai trouvé la conférence Xbox qui apparemment a été historique, mais je l'ai trouvé en fait on aurait dit des vieux E3. Alors sans le blabla des conférences qui étaient chiants avant, hein, mais dans le sens où on nous montre plein de jeux et beaucoup de jeux qui sortiront pas cette année. Beaucoup de jeux qui sont fixés soit à 2025, soit qui n'ont pas de date de sortie. Et moi, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à la communication de jeux vidéo, je me suis un petit peu plus habitué à des communications directes. C'est-à-dire, on te parle de jeux vidéo qui sortent bientôt. Et c'est pour ça qu'il y a longtemps, quand on suivait l'actualité, par exemple, de Granblue Fantasy Relink, j'en avais marre au bout d'un moment. Enfin, le jeu était annoncé depuis plus de 6 ans. Au bout d'un moment, on avait envie qu'il sorte, quoi. On te promettait des choses, etc. Bon, après, je vous ai fait quand même tout un dossier, hein, sur le développement de Granblue Fantasy Relink et à quel point ça a été une galère pour Cygames de mettre le truc en place, et c'est sûr. Mais c'est ça, quand tu fais une erreur, en fait, d'annoncer un truc trop tôt, tu peux avoir des chances que le truc soit repoussé à l'infini, en fait, parce que ça se passe pas comme prévu. Et ça arrive très souvent, hein, les développements ne se passent très rarement comme prévu, surtout quand t'as pas une équipe hyper efficace, parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a de plus en plus d'acteurs dans le milieu du jeu vidéo, et forcément, pas forcément que des gens vétérans dans le milieu, vu que les jeux vidéo demandent toujours de plus en plus de moyens, de plus en plus de moyens. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus de postes, en fait, qui sont créés par rapport à ça. Et forcément, en fait, t'as des petites équipes, tu vois, genre, je prends l'exemple de Falcom, par exemple, qui reste une petite structure à taille humaine. Et c'est pas pour donner le crédit à Falcom parce que c'est le bon exemple, c'est juste parce que je connais bien l'entreprise et comment elle marche, mais c'est juste que comme c'est une entreprise qui a un côté un peu familial en termes de structure, ils arrivent à être efficaces parce qu'ils ont donc, et encore, ils arrivent à être efficaces, mais ça leur arrive d'être vraiment sur le fil de la dernière seconde. Genre Kuro no Kiseki, toujours du mal à dire ce titre en anglais, qui sort début juillet chez nous. Quand il est sorti au Japon, il y a eu un gros patch un mois plus tard pour finir le jeu. Et ça arrive souvent, ça, en fait, dans les productions de Falcom. Mais voilà, c'est que ils ont quand même l'habitude de travailler en flux tendu, à proposer un jeu par an, et du coup à essayer de... Même s'il y a des jeux qui arrivent à être finis, hein. Genre East 10, il était fini Day One, hein, en septembre dernier. Donc ça dépend, parce qu'ils arrivent à produire aussi plusieurs projets en même temps, hein, mais bien sûr ils en sortent pas plusieurs dans la même année, évidemment. Mais ouais, donc c'est toujours assez compliqué aujourd'hui de tenir les délais et tout ça, et donc de réussir à proposer des jeux, bien sûr, sur un planning dédié. Mais ouais, donc la conférence Xbox, pour moi, après, bon, c'est pas forcément les jeux qui m'intéressent, même si en vrai... En termes de jeux, les jeux sont plutôt sympas. Et ça, c'est toujours le cas.
Ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est qu'on revoit toujours les mêmes trucs, mais bon, après, voilà, c'est Xbox. Ils ont leur catalogue de jeux à service qui continue d'être mis à jour, etc. Ils ont aussi leurs jeux sortis l'année précédente, comme Starfield, DLC Starfield, etc. Bref, c'est... Mais elle m'a pas beaucoup parlé. Parce que, en fait, j'ai surtout l'impression de voir la même vidéo de Xbox depuis qu'ils font ce genre de vidéo, en fait. C'est tous les mois de juin, à chaque fois qu'il y a un Xbox Game Showcase, j'ai l'impression de revoir le même truc, avec un peu les mêmes jeux qui se remontrent, etc. Donc c'est un peu un swap avec quelques nouveautés, bien évidemment, par-ci par-là, mais c'est l'impression de revoir vraiment la même conf tous les ans, pardon. C'est assez compliqué pour moi. Bref, du coup, aujourd'hui, bien sûr, on va parler de l'actualité. Ça va être un gros morceau, puisque en dehors du Summer Game Fest, il y a eu quand même des événements, notamment Atlus qui a tenu un petit festival le week-end du Summer Game Fest pour présenter en détail plus d'éléments de Metaphor et Fantasio. Donc on va revenir sur le gameplay de Metaphor et Fantasio. On va voir ça dans le sommaire, etc. Hein, y aura pas mal de choses à dire. C'est vrai que je suis en train de faire le sommaire alors qu'il y a un vrai sommaire. Pourquoi se fatiguer à faire tout ça alors que je peux le mettre en page? Donc ouais, les news du Summer Game Fest, même s'il n'y en a pas beaucoup, analyse du gameplay de Metaphor et Fantasio et trailer de Vision of Mana aussi. Donc même s'il n'a pas été présent dans le Summer Game Fest, et d'ailleurs ça m'a inquiété de ouf. Je pensais que le jeu allait être repoussé. Finalement il n'est pas du tout repoussé, il sort le 29 août, donc c'est bien pendant l'été. Je suis très 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 rassuré par le trailer et ça donne trop envie. J'ai vraiment hâte de voir ce que le jeu donnera, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien. Expédition, on va en parler aussi. Hein, on va en parler. Alors, le dossier du jour, le projet Kingdom Hearts. Kingdom Hearts vient à peine de sortir sur Steam cette semaine. Donc, pour moi, l'occasion de vous proposer un petit dossier sur la série Kingdom Hearts. Donc, sa création, les différents épisodes, etc. On fait un peu comme d'habitude hein, quand je fais un dossier sur toute une franchise. Là, c'est la bonne occasion de faire tout ça parce que là, il y a tous les épisodes sont sortis, sauf le jeu de rythme hein, qui n'est pas disponible encore sur Steam. Il est pour l'instant exclusif à Epic. Mais on va parler de toute la série Kingdom Hearts. Donc, ça va être assez intéressant parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bien sûr, je vais me réserver beaucoup de. Enfin, je vais pas beaucoup spoiler. Je vais parler des épisodes, bien sûr. Parfois ça peut spoiler parce que c'est le setup d'un épisode qui peut spoiler un précédent, mais ça sera pas de l'énorme spoil, genre je vais pas dire tel personnage lui arrive ça à un tel moment, etc. Non, c'est juste plus de la présentation de l'historique par rapport à la façon dont la série s'est construite au fur et à mesure. Et donc bien sûr tout le lien avec Disney et compagnie, donc il y a pas mal de choses à dire sur la série. Et pour le gameplay, bah ça va être assez spécial, ça va pas être vraiment du gameplay comme je le montre d'habitude pour présenter un jeu. Là, ça va être plus être pour présenter le fait que ce soit une version PC. Kingdom Hearts 1.5, 2.5 et 2.8 n'ont pas les voix japonaises disponibles de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sélectionner les voix japonaises via un menu. Je vais vous expliquer comment on installe les voix japonaises et comment on y joue. Je montrerai aussi un petit bonus. Du Steam Deck, les jeux qui tournent sur Steam Deck, puisque les jeux en fait avaient la particularité depuis quand ils étaient sur Epic d'être totalement incompatibles, très mal fonctionnels, ça se dit ça, très peu fonctionnels sur les plateformes portables, même que ce soit Steam Deck donc via Epic du coup en installant Windows ou via d'autres façons. Mais également Rogue-Ally et compagnie, les nouveaux Légions et tout, on pouvait pas le faire tourner sur Steam Deck, sur ces supports, du moins difficilement. En fait, ça tournait, mais c'est difficilement. Donc ils étaient peu compatibles en fait, et ça a jamais été mis à jour en 3 ans. Il a fallu attendre la version Steam pour qu'enfin on ait une version qui est nativement compatible Steam Deck et sans... J'ai pas testé Rogue-Ally et compagnie, mais je pense que ça doit être aussi débloqué de ce côté-là avec la version Steam. Alors à savoir que la version Epic normalement est aussi mise à jour, donc elle doit être aussi, ça doit être la même maintenant. Il doit pas avoir de différence. Enfin, je sais pas si ça a été mis à jour ou si ça va être mis à jour, mais en tout cas ça a été annoncé qu'il y a une mise à jour commune
entre la release Steam et la version Epic. Pour ceux qui ont déjà acheté le jeu sur Epic, ça peut intéresser. Mais voilà, donc je vais vous montrer ça. Pour vous montrer, je vous montrerai du gameplay par exemple de KH3 pour ceux justement qui sont un peu sceptiques. Est-ce que le jeu tourne bien sur Steam Deck, etc. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça tourne sur Steam Deck Kingdom Hearts 3, qui est l'épisode le plus ambitieux de toute la collection, hein, évidemment. Et peut-être je montrerai vite fait KH2 ou un truc comme ça vite fait, mais juste pour montrer qu'on peut également installer, bien sûr comme sur PC, les fonctions de mode, entre guillemets, puisque c'est une version PC, dans tous les cas on peut faire la même chose que sur PC avec ces machines là, donc c'est pas un problème. C'est midi, bon week-end à toi aussi, salut LSR, salut à tous évidemment, Manji, Gandulf. Voilà, donc pour ce programme de cette semaine, donc ce sera pas un très très long gameplay, ce sera plus pour vous aiguiller. Si vous voulez jouer avec les voix japonaises, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les voix japonaises. Il y en a qui préfèrent les voix anglaises, et grand bien leur fasse. Hein. C'est juste, voilà, si vous voulez vraiment profiter du doublage japonais dans Kingdom Hearts, je vous expliquais comment on fait. Il y a également possibilité, sur certains épisodes de la série, de mettre les voix françaises. Il y a des modes qui existent, hein. Donc je vais vous montrer le site où il y a les modes qui sont répertoriés, et aussi donner des astuces pour les voix japonaises. En fait, il y a une astuce bien plus simple pour tout récupérer facilement. Bref, je vous expliquerai tout ça. On est parti, du coup, pour l'actualité du JRPG. Comme d'habitude, la petite caméra pour montrer le point Famitsu cette semaine. Alors, j'ai pas montré celui de la semaine dernière, mais il y avait une couverture de Street Fighter 6. Celui-là, je l'ai déjà rangé. Bref, c'est pas très grave. La semaine dernière, du coup, couverture qui met en avant Shin Megami Tensei 5 Vengeance, qui est sorti également cette semaine. Donc, remaster de Shin Megami Tensei, qu'on a eu l'occasion de voir, bien sûr, dans l'actualité, avec toutes les modifications, les améliorations, etc. Je pense que plusieurs d'entre vous sont en train d'y jouer à l'heure actuelle. Et j'espère que vous prenez du plaisir, bien sûr, hein, sur cet excellent jeu qui était sorti à la base sur Switch en 2021. Et là, il a la particularité donc de rajouter énormément de contenu. D'ailleurs, j'ai été choqué, parce que l'OST est sorti sur les services de streaming, YouTube Music, Spotify, Apple Music et compagnie. L'OST fait 3h45 de Vengeance, hein, pas de SMT5 classique. C'est un peu abusé, il y a plein de remix et tout, c'est ultra complet. L'OST elle est plus fat en fait que l'OST de Persona 5 Royal, quoi. C'est assez hallucinant. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce Famitsu cette semaine-là? D'ailleurs, Famitsu a annoncé, alors c'est pas le cas dans celui-ci je crois, mais ils ont annoncé un nouveau manga Elden Ring. D'ailleurs, je crois qu'il y a du Elden Ring ici, attendez. Est-ce qu'il y a du Elden Ring? Non, il n'y a pas du Elden Ring. Il n'y a pas du DLC. On va y revenir sur le DLC de Elden Ring aussi. Parce qu'il y a eu un peu de gameplay pendant ces deux semaines. Là, il y a eu un peu de gameplay vu qu'il sort la semaine prochaine. En parler un petit peu, ça peut être chouette. Non, il y a du Silent Hill et tout. Mais ouais, il n'y a pas de Elden Ring ici. On va revenir sur les attentes des joueurs japonais comme d'habitude. Toc. Pour montrer un petit peu l'évolution. Donc le top 2 reste le même que d'habitude, ça change pas, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Metaphor commence une entrée fracassante, hein, depuis la disparition de Paper Mario dans le top. Là, on voit qu'il est passé de la 5ème place depuis 2 semaines à la 3ème place. Donc il a même dépassé Pokémon ZA qui était dans le top 5, hein. Il était 3ème, hein. Il est tombé à la 7ème place. Hein. Forcément, en fait, parfois t'as des petites hypes comme ça, et après ça redescend d'un coup. Parce que vu que Pokémon ZA, il n'y a aucune communication et il sort en 2025, parfois ça redescend. Hein. Lui, c'est toujours le mystère du Famitsu, toujours. Hein. On ne sait pas pourquoi les gens votent pour lui, mais c'est Pragmata, hein, pour info. Mais ouais, il est toujours là. Alors je regarde s'il y a des jeux nouveaux qui sont apparus. Oh ! Oh ! Oh ! Je l'avais même pas vu ! Et oui ! Il est là ! Ça y est, maintenant que la console est fixée. Le fanboy, quoi. Kainokiseki, Farewell aux Emeria, 19ème place.
Je l'avais même pas vu. Incroyable. Donc Kaino Kiseki, 19e place, ça y est, il rentre enfin dans le classement. Bon, après, il va sans doute rester dans cette partie-là du classement. Hein. Peut-être que vers sa sortie, on pourrait peut-être le voir dans le top 10. Mais faut voir. Faut voir un petit peu. Mais en tout cas, il faut se dire qu'il est derrière Ushilo. Hein. Tant qu'il est derrière Ushilo, ça compte pas trop quoi. Derrière Ushilo et Suikoden 1 et 2, hein, c'est pas une énorme performance. Mais au moins il est là. Salut Corridor Rockmanchi. Ok, j'ai plus rien à vous montrer du côté point Famitsu. On passe directement au classement des ventes donné par Famitsu. On va bien sûr faire les 2 semaines qui se sont écoulées. Donc du 27 mai au 2 juin, donc on est sur le site Gametsu comme d'habitude, Paper Mario donc il continue à être premier des ventes au Japon. Donc on rappelle que c'est les ventes de jeux physiques au Japon. Donc ça ne concerne pas du tout le marché mondial et ça concerne pas non plus le marché dématérialisé. Donc cette semaine il n'y a pas eu de nouvelle sortie du côté des RPG. Donc Paper Mario, la porte millénaire qui cumule 150 000 ventes cette semaine-là. Stellar Blade qui arrive à rester, qui atteint presque les 5 000 ventes pour les exemplaires physiques, justement. Sinon, il doit y avoir toujours voilà, Rise of the Ronin qui se tient aussi. Il y a quelques jeux PS5 qui sont des irréductibles, hein, qui continuent à se vendre un petit peu, qui arrivent à rester dans le classement. FF7 Rebirth qui est à la limite également. Hein. Il est toujours là en train de se maintenir. C'est rigolo qu'on Luigi Dimension 3 qui revient dans le classement. Mais sinon, ouais, bon, dans les jeux Nintendo, il y a toujours du Zelda, il y a toujours du Pokémon, ça change pas, hein, c'est toujours la même rengaine. Et pour la semaine suivante, donc Paper Mario toujours premier, alors attends, il a fait 19 000 ventes, attends, là c'est 3 juin, ouais, il a fait 19 000 ventes, il avait fait 34 000 la semaine précédente, hein, donc ça baisse de plus en plus, mais ça reste quand même de très 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 grosses ventes. Ça c'est la magie des jeux Nintendo. Hein. Les jeux Nintendo, surtout que là, regardez le top 10, hein, que de la Switch. Là, cette semaine, c'est le top 10 uniquement Switch, mais ça c'est la normalité. Hein. Si t'as pas trop d'actualité, Stellar Blade c'était un peu une anomalie, hein, qui a dégringolé, hein, mais il a au moins dépassé les 100 000 ventes, Stellar Blade, mais il a totalement dégringolé. Hein. Par contre, la hype de Luigi Mansion 3, là, ça me fume. Hein. Le jeu se revend, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a le 2 qui va sortir. Rise of the Ronin, du coup, qui se maintient aussi tranquillement. Et est-ce qu'on a toujours du FF7 Rebirth? Ouais, FF7 Rebirth qui reprend quelques places. Qui fait toujours. Il fait environ 1000 ventes par semaine, FF7 Rebirth. En vrai, sur le long terme, il continue tranquillement à écouler son stock. Alors, on peut voir également sur le site officiel de Famitsu, du coup, le résultat par rapport au stock, évidemment. Donc ce qui est intéressant, c'est que si je reviens 2 semaines en arrière, là c'est la semaine de lancement de Paper Mario. Hein. Donc on voyait qu'on était à peu près dans les 60% du stock. Là on voit qu'actuellement on a écoulé environ, hein, c'est entre 0 et 20%, hein, on connaît pas les chiffres précis. Par rapport à la première semaine, du coup, ça a continué à écouler le stock et ça a l'air d'être sur la bonne voie. Surtout bah, avec autant d'exemplaires vendus, en vrai, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment sur la bonne voie. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Au niveau des ventes du jeu, je pense que même ça va demander un réassort assez rapidement, hein, pour le stock. Hein, parce que ça va sûrement atteindre le rouge assez rapidement, je pense. Et on peut voir donc tout le reste est dans le rouge, hein, en fait. Sauf bon, il y a un jeu Toho, hein, qui a. Il vient de sortir cette semaine, hein, d'ailleurs. Hein, donc, ouais, là, il vient de vendre 1000 et quelques exemplaires. Là, il est dans les 60% à peu près. 60% restant, évidemment. Ce qui correspond du coup à 40% de vente du stock, hein, si on s'en suit à la logique de Famitsu par rapport à cette barre. Sinon tout le reste est dans le rouge, en fait quand c'est des jeux qui sont là pendant plusieurs semaines, en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que forcément ils vont calculer un stock par rapport à ce qu'ils pourraient vendre dans la semaine, hein, et donc par rapport aux ventes globales, en fait le stock il est ridicule, il est ridicule. Donc forcément quand un jeu atteint le rouge dans les stocks, forcément c'est bien pour l'éditeur, ça veut dire qu'il a bien prévu
Surtout s'il atteint rapidement. Bon, pour les jeux Nintendo, comme j'ai dit, c'est une anomalie. Ça se vend sur le long terme, ça va atteindre le rouge, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, ouais, c'est ça qui est assez intéressant en fait avec le marché japonais, c'est qu'on peut vraiment voir si un jeu se vend correctement ou quoi. Par exemple, enfin, je prends un exemple, hein, à l'époque où il y avait Babylon's Fall qui était sorti, il avait fait genre, je sais plus combien, 3000 exemplaires, un truc comme ça. Il était dans la jauge était dans le vert parce que ça montrait qu'il restait énormément de stock quoi. Derrière, ça restait, c'était largement, les ventes étaient largement en dessous des estimations de l'éditeur quoi. Donc ouais, cette jauge permet de montrer au moins une réalité par rapport à ce que l'éditeur envisage. Parce que justement, ce qui est chiant, c'est que par exemple, un jeu comme FF7 Rebirth, comme il n'y a pas du tout de communication de l'éditeur, on sait pas du tout où on en est en fait. On sait pas. Du coup, les gens parlent de bide pour FF7 Rebirth, alors que c'est pas un bide. Le jeu est loin d'avoir bidé. Mais on peut se dire que l'éditeur a sûrement estimé beaucoup plus de ventes. Mais un bide, non. Non, le jeu s'est bien vendu, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Ça reste FF7, et surtout que quand on voit les chiffres au Japon, même si là il continue à grappiller par 1000 par 1000, FF7 quand même, ça reste un des jeux les plus vendus de la PS5 au Japon. Je pense que ça doit être aussi un des jeux. Il doit être dans le top 10 des ventes mondiales, je pense aussi, hein. Je sais pas. Pour la PS5. En fait, je sais pas du tout. Je dis peut-être une grosse bêtise, hein. Mais pour un démarrage, en tout cas, je pense pas que c'est non plus si catastrophique que ça. Faudra voir ce que Square Enix va faire dans les prochaines semaines. De toute façon, on sait très bien qu'ils vont se réorganiser et tout. Moi, j'espère surtout que Vision of Mana marchera. Parce que c'est ça qui me fait peur aussi. Hein. Et comme le jeu n'a pas de version Switch prévue pour Vision of Mana, j'espère quand même qu'il aura son petit succès. Et en parlant des ventes de jeux, du coup, Elden Ring. Enfin, From Software plutôt a annoncé que Elden Ring a atteint les 25 millions de ventes. C'est un truc de malade. 25 millions de ventes mondiales pour Elden Ring. C'est un truc de malade, je trouve. Pour un jeu comme Elden Ring, on rappelle que les Souls. Moi, je me souviens de l'époque de Demon's Souls. Hein. Demon's Souls, à l'époque, c'était vraiment niche. C'est vraiment Dark Souls qui a commencé à apporter le succès de la série. Mais Demon's Souls, à l'époque, c'était tellement niche. Mais c'était presque le même traitement que Nier, que le premier Nier, Demon's Souls. C'est-à-dire que c'était vraiment le jeu très niche et très sous-estimé. Et c'est ouf de se dire qu'aujourd'hui, le chemin que From Software a parcouru avec ses jeux, en insistant, en fait, avec cette formule, bah, ils ont juste prouvé que derrière, ils étaient capables de faire des jeux populaires, même si ça restait des jeux qui sont considérés comme étant difficiles, exigeants, qui demandent vraiment. Mais en plus, c'est ça qui est fou, c'est que je m'en plaignais un petit peu sur mon live la dernière fois, parce que je jouais à Elden Ring, mais justement, parce que c'est pas trop ma came d'action RPG au niveau du système de combat. C'est-à-dire que si on veut, même si en vrai, on est censé plus faire des builds pour devenir plus fort quand on voit qu'on n'y arrive pas. Et c'est ça qui est fort dans Elden Ring, c'est qu'il y a tellement de chemins, tellement de possibilités, qu'au final on peut toujours partir autre part pour faire quelque chose d'autre, etc. Mais là par exemple, j'étais arrivé sur un boss, et ben ça me frustrait parce que finalement, ben, pour le battre, il fallait que je l'apprenne à peu près par cœur. Mais en fait, c'est juste que j'avais pas du tout le niveau et je voulais juste insister comme un abruti, quoi. Donc c'est ma faute de vouloir insister. Mais voilà, c'est quand même des jeux qui demandent de l'exigence et un certain savoir, parce qu'il y a beaucoup de faux rythmes dans les attaques, il faut beaucoup apprendre les patterns, il faut savoir quand est-ce que tu peux répondre, etc. C'est très rare un boss où tu peux tout lire du premier coup. C'est assez rare finalement, parce qu'il y a beaucoup de pièges, de faux rythmes et tout ça dans la façon de réagir dans le jeu. Donc faut vraiment très très bien connaître surtout ce qui fait mal, la valeur de ses attaques, la portée de ses attaques, la vitesse de ses attaques, pour savoir ce qui est safe, ce qui marche pas, etc. C'est vraiment ce genre de jeu où il faut quand même être assez réfléchi et tout. Mais justement, c'est ça qui fait la richesse du jeu. Moi, là, ce que j'évoquais justement dans mon live, c'est que c'est plus le rythme de gameplay en action RPG. Moi, je préfère un truc à la His, où c'est du tac au tac, 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 on lit vraiment le truc au feeling. C'est vraiment du.
du feeling, c'est presque du gameplay arcade à l'état pur, quoi. Dans un jeu comme les Souls, c'est vraiment de la philosophie un peu à l'ancienne. Genre le Mega Man, par exemple, où il faut vraiment apprendre les patterns des boss, etc., pour vraiment espérer s'en sortir, quoi. C'est vraiment cette philosophie à l'ancienne qui n'existe quasiment plus dans le jeu vidéo aujourd'hui. Ce qui est bien, en vrai, je trouve c'est bien parce que ça apprend. Ça apprend la persévérance, ça peut apprendre des bonnes choses, en vrai, quand on joue à un jeu vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas tout qui est donné sur un plateau. C'est ça qui est bien dans Elden Ring, dans un jeu comme Elden Ring, comme les Souls, etc. C'est qu'on n'a pas tout qui est donné sur un plateau. Il faut vraiment s'investir, il faut vraiment aller chercher les choses pour pouvoir vraiment apprécier et donc découvrir de plus en plus de contenu, quoi. Sekiro, pour moi, c'est le meilleur gameplay des Souls par rapport à ça. Des jeux de From Software. C'est mon préféré parce que justement, il a cette philosophie que un peu du tac au tac que j'expliquais justement un peu tout à l'heure. Beaucoup plus dynamique, etc. C'est quelque chose qui me correspond plus. Mais ouais, dans les Souls et Elden Ring, qui reprend totalement la philosophie des Souls, il y a cette lenteur, ce côté un petit peu limité, un petit peu mou qui... Mais ça reste bien en vrai, ça reste bien parce que le game design est très très bien. Game design et level design aussi, hein. Surtout le level design, hein. tout l'aspect exploration, etc. Il est vraiment ouf. Bref, je suis en train de faire Elden Ring en ce moment, je vous en parlerai sûrement un petit peu plus tard. Le DLC qui arrive très bientôt. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler du DLC, puisqu'il y a eu des vidéos de gameplay du côté des médias. Et on peut voir quelques nouvelles zones, des nouvelles classes également. On peut voir donc un peu de choses nouvelles. Attendez, peut-être avec du son ça sera mieux. Ouais, je pense qu'avec du son ça sera mieux. Surtout que de base, les Souls, comme tu dis, Boscoven, ça passe à l'open world. Mais c'est ça, c'est que c'est le vrai open world. Alors qu'avant c'était vraiment des zones ouvertes. Il y avait quand même un petit côté un peu fermé et tout ça. Mais le truc, c'est que la structure de base des Souls, c'était déjà assez ouverte en vrai. Surtout avec Dark Souls, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on arrive avec un Souls qui te donne l'impression d'avoir les trois Dark Souls dans un seul jeu, quoi. Mais c'est clair que c'est bien plus attrayant. Cette structure est bien plus attrayante que celle des Dark Souls, en fait. Set aflame. I believe Mikela's apologies. When he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. Ah oui, non, mais de toute façon, j'ai dit à partir de Dark Souls 1, hein, c'était le succès. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'ai dit à partir de Dark Souls 1, hein, c'est Demon's Souls qui était niche. Hein. C'est que, en fait, comme je disais, c'était le même effet que le premier Nier. C'est-à-dire que quand Demon's Souls est sorti à l'époque, la critique n'était pas très élogieuse, etc. Et le jeu a pas fait des ventes incroyables et tout. C'est vraiment Dark Souls qui a vraiment eu une belle mise en avant et a été beaucoup, beaucoup plus plébiscité, etc. Bien mis en avant par les joueurs. Et du coup, quand Demon's Souls est ressorti sur PS5, là, c'était chef-d'œuvre. Alors que c'était exactement le même jeu que sur PS3. C'est ça qui est rigolo. Team Sekiro ici. c'est ça qui est ouf, quoi. C'est que c'est le même jeu en plus beau, Demon's Souls sur PS5, mais finalement il est largement plus apprécié. C'est comme Nier Replicant. Nier Replicant, il est ressorti 10 ans après le premier Nier et il a totalement été acclamé par la presse, alors qu'à l'époque il s'est fait totalement critiquer dans tous les sens. Alors, je pense pas qu'il s'est fait autant, il s'est pas fait autant critiquer Demon's Souls, mais c'était pas aussi élogieux que ce qu'on peut lire aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Ouais, oui, c'est ce que je dis. Il a pas été aussi critiqué non plus, mais c'est juste que il y avait pas ce succès. Ce déclic, on va dire, pour te dire, là c'est vraiment devenu un truc de fou, quoi.
Du coup, est-ce que la plupart d'entre vous, vous êtes prêts pour le DLC? Vous avez pu préparer une sauvegarde ou... Ou alors vous allez y aller YOLO. Moi, le DLC, j'y arriverai sûrement dans 3 mois. Je continue tranquillement Elden Ring de mon côté. Mais là, en gros, j'avais commencé Elden Ring il y a 2 ans. J'avais commencé à l'époque de sa sortie sur PS5. Je l'ai repris sur PC il n'y a pas longtemps. Et du coup, là, j'ai 10 heures de jeu sur PC. J'avance tranquillement. Donc, bah, mon but, c'est de me faire toute une partie sur PC et de pouvoir faire le DLC et tout avec. Ah, le style double dague, hein. Ça donne envie, hein. Bah après, Manji, en vrai, sur l'ère PS3 360, Square a fait très très peu de jeux internes. Donc visuellement, enfin en vrai, t'avais que FF13 et The Last Remnant, hein. Comme vrai jeu maison de Square. Sinon, le reste, c'était que des jeux de studio externe, quoi. Ouah, le gameplay double épée retournée. Comme un gros kekos. C'est la clause. Tu viens de commencer Elden Ring, donc dans 3-4 points aussi. Après, ça dépend du rythme de jeu, mais vu que moi j'y joue une fois par semaine en ce moment. Ah, bien stylé ça. Aïe. Ce qui est drôle hein, dans ces jeux, c'est que c'est vraiment le genre de jeu où tu peux te faire bolosser par le moindre mob normal. Ça peut mettre la pression. Mais bon, il y a un vrai sentiment d'amélioration, que ce soit en fait au niveau des réactions des différents ennemis, mais également au niveau bah, de nos compétences. Il y a vraiment un vrai sentiment de progression dans cette série de jeux et c'est toujours... toujours assez chouette. Hein. Moi, c'est après c'est plus l'univers hein, qui me parlait plus trop parce que moi de base, hein, je vous avais déjà dit, j'ai fait Demon's Souls, premier du nom, j'ai fait Dark Souls. Et en fait, c'est un univers qui me parle pas vraiment. Hein. C'est pour ça que j'ai pas vraiment remis le couvert pour Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Même si apparemment Dark Souls 3 est vraiment excellent. Hein. Peut-être un jour je le ferai, mais bon, là je préfère plus me focaliser sur Elden Ring justement. Sekiro en vrai bon ça me paraît de ouf mais c'est juste que Sekiro c'est un jeu que j'avais commencé, à un moment j'ai arrêté et quand j'ai voulu m'y remettre j'ai jamais réussi à me remotiver quoi, j'arrivais pas à bien me remettre dedans quoi. Donc ouais c'est juste un jeu qu'il faudra que je refasse en entier un jour Sekiro. Et pour Bloodborne bah, je l'avais commencé vite fait en live un jour, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment m'y plonger. Mais Bloodborne... je trouvais que ça avait l'air d'être vraiment trop bien, mais vu que là il y a potentiellement un remake qui est en développement, on sait pas, hein, mais vu qu'il y a eu Demon's Souls, hein, il y aura peut-être Bloodborne. Donc autant attendre qu'il y ait un remake qui sorte sur PS5, au moins ça fera marcher la console quoi. C'est bien d'avoir quelques exclus de temps en temps. Ouais, Lies of P apparemment il est vraiment pas mal. Hein. Mais ouais, du coup, l'ambiance en elle-même de Lies of P après me parle pas méga de ouf. On va dire si je dois faire un jeu dans une ambiance un petit peu similaire, je préférerais faire Bloodborne. Un jour, ils auront la licence Berserk, ça serait incroyable. Hein. Un Souls Berserk, ce serait un truc de fou. Hein. Jouer Guts et tout. Après Guts il est trop fort, ce serait nul en fait d'avoir de la difficulté avec Guts. Ah ça va être bien rouleau aussi. Hein.
Bonjour, c'est le feu. J'aime bien les petites têtes qu'il a sur ses cuisses là. C'est un boss de Shadow of the Colossus. Ouais, mais tu vois un jeu vidéo où Guts il meurt tout le temps. Ce serait bizarre quand même. Après, sur la structure, ça serait assez. Je sais pas comment ils pourraient adapter Berserk en Souls parce que. Il y a aussi. Un moment en fait, Guts il est accompagné tout le temps quoi. Donc faudrait faire des. Des PNJ avec lui, comment ça se passerait? Ouais, après un action RPG classique, ça pourrait le faire. Moi, mon rêve des jeux From Software, je l'avais déjà dit, hein. Mon rêve des jeux From Software, ça serait Dragon Quest 1 en Souls. Même il pourrait prendre des libertés, hein, faire un truc un peu plus sombre et tout, hein, mais Dragon Quest 1, vu qu'il a une structure de 1 contre 1, le premier Dragon Quest, donc sorti en 86. C'était vraiment une quête où t'as le héros solitaire qui fait sa quête et il affronte des ennemis tout seul en fait. Et ça serait trop intéressant de le faire en action RPG. Et donc si tu fais un Souls Dragon Quest 1, mais là t'as potentiel de faire un jeu de ouf dans l'univers Dragon Quest et tout. T'as potentiel vraiment de faire un jeu de malade quoi. Mais ouais, donc voilà pour le gameplay du DLC de Elden Ring. Hein, donc il arrive très très bientôt. Également, on a eu une petite lettre des producteurs de Final Fantasy XIV pour nous balancer également un nouveau trailer de Final Fantasy XIV. Dawn Trail. Tiens, est-ce qu'il y a des vrais sous-titres? Non, c'est les sous-titres japonais. C'est pas un Souls-like Stranger of Paradise, hein. C'est plus un Nioh-like, il est fait par Team Ninja. Ceux qui ont fait les Nioh. Mais Stranger of Paradise, il est cool, hein. Il a vraiment un très très bon gameplay. Mais après, c'est une version simplifiée des Nioh, quoi. C'est bien plus facile qu'un Nioh 2. Mais il est cool parce que t'as le système de job à la FF et tout ça, T'as plein de trucs vraiment, vraiment sympas dans Stranger of Paradise. Ah, donc on va découvrir de nouvelles terres, hein, dans cette nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Hein, donc je rappelle le MMORPG, hein, actuel de Final Fantasy. Un des MMORPG les plus populaires au monde. この国の時代の王となるべきものを選ぶためにな。俺様は選ばれし総統、祝福の兄弟だ。この国はもっと変えていける。俺は俺の目的のために行動する。私は私のやりかたで平和を守ってみせる。Alors personnellement, moi j'y rejouerai pas. Mais ça a l'air bien. J'ai même pas fait Endwalker, hein, pour tout dire. Peut-être si un jour j'ai la motivation et le temps, j'irai faire Endwalker, hein, histoire de finir, on va dire, l'arc narratif. Mais ouais, on va dire la suite, me relancer dans un nouvel arc comme ça. Les MMO, c'est infini, hein, c'est un bouffe-temps. Le truc c'est qu'après quand tu joues à un MMO t'as pas le temps de jouer à autre chose. Après je peux y jouer juste pour l'histoire, hein, comme ce que je faisais pour les dernières années. Hein. Donc juste faire l'extension une fois tous les deux. Enfin tous les deux ans je me remets au jeu.
Après, moi, je suis à Shadowbringers, donc ça va. Je suis... J'ai pas tant que ça à faire, hein, mais c'est juste que ouais, j'ai arrêté depuis tellement longtemps que aujourd'hui j'ai pas la motivation du tout de reprendre. Enfin, je suis après Shadowbringers, donc je suis à l'entrée de Endwalker. Mais ouais, ça donne quand même envie, hein. Le jeu a l'air d'être toujours aussi quali. Mais moi j'ai décidé de jouer à Dragon Quest X Online, hein, aujourd'hui. Hein. Je suis passé du côté... de l'autre côté. J'ai changé d'équipe. Désolé. Désolé Final Fantasy. J'ai choisi ma team. Mais voilà, donc l'extension sort le 7 juillet, comme d'habitude il y a une early access, si vous précommandez le jeu, c'est juste la précommande ou c'est la deluxe pour l'early access, je sais plus. L'early access c'est combien cette fois-ci, c'est... Ouais je crois que c'est 3 jours non, 3-4 jours, c'est... donc ouais ce sera fin juin hein, du coup pour pouvoir profiter de commencer à profiter du jeu. Mais voilà, news qui est tombée il y a un peu plus d'une semaine, mais on n'en a pas parlé dans Level Up. Octopath Traveler est sorti. Donc le 1 est sorti sur PlayStation, c'est-à-dire PS4 et PS5. Et le 2 est sorti sur Xbox. Xbox One et Xbox Series. Ce qui fait que les deux d'ailleurs sont disponibles sur le Game Pass maintenant. Donc ça c'est très très cool. Et en plus de ça... ils ont rajouté du nouveau contenu pour Octopath Traveler 2. Il y a une mise à jour. Alors, je vais pas vous évoquer ce que c'est exactement, même si Square Enix le spoil directement, mais... Square Enix le spoil directement, mais... il y a du nouveau contenu. Donc oui, il y a une nouvelle quête annexe avec un combat ultime, on va dire. J'essaie de regarder ce que vous disiez sur le chat. Mais ouais, donc Octopath Traveler 1 et 2, donc c'est juste que vous avez le 1 qui est disponible sur PlayStation et le 2 disponible sur Xbox, parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça y est, tous les épisodes sont disponibles sur toutes les consoles, et c'est chouette. On va revenir un peu sur, alors c'était avant le Summer Game Fest... Metal Slug Tactics qui s'est remontré. Alors bien sûr on n'est pas sur du jeu vidéo japonais, d'ailleurs le jeu est développé en France, mais c'est une licence japonaise et dans tous les cas c'est très inspiré des productions japonaises hein. Donc comme d'habitude hein, je parle aussi un peu des RPG qui ont le style à la japonaise un peu dans les mécaniques et compagnie. Mais c'est intéressant parce qu'en testant la démo j'ai découvert un truc. C'est pas du tout ce que je pensais, hein, ce jeu. Donc oui, c'est un tactical RPG. C'est bien. C'est super joli. Le pixel art est vraiment super soigné. Donc le jeu sort en fin d'année. Donc ça y est. Enfin, le jeu a été fixé à une date. Donc pour l'automne, hein, il sortira sur toutes les consoles. Et donc c'est le studio Lekir hein, qui développe ce jeu. Mais donc j'y ai joué, hein, vous avez le Begito du passé de la semaine, du coup qui a joué à quelques démos. Donc j'y ai joué un petit peu, et du coup j'ai pu découvrir cette étonnante vérité. Le jeu est un roguelike. C'est que... on nous vendait donc un tactical RPG Metal Slug et en fait, le produit final, c'était un roguelike. Je m'explique, du coup, on va avoir une map et donc dans la map, on va enchaîner plusieurs petites cartes. Et c'est des petites batailles en fait, c'est des batailles avec des objectifs qui seront divers et un peu aléatoires.
Et donc en fait, il faut, voilà, c'est la taille du map, c'est ça. Parfois, ça va être un petit peu élargi. La map va avoir plus de blocs rajoutés, etc. Mais c'est des batailles. Pour l'instant, on est 3. Je sais pas si on pourra être peut-être 4 maximum dans l'équipe. On n'a pas énormément d'unités parmi nos personnages. Et je pense pas que sur le jeu final, on va en avoir une dizaine, quoi. Hein. Je pense que ça va être toujours assez limité et toujours assez minime en termes de tactique. Donc ouais, vous attendez pas un gros tactical avec des grandes batailles. C'est vraiment des petites batailles qui durent parfois quelques minutes, quoi. Et donc c'est du roguelike, c'est-à-dire que si vous êtes à la troisième bataille, parce que par exemple, il faut faire genre, je sais pas, 5-6 batailles pour aller affronter un boss. Si vous perdez une bataille, bah vous perdez la run. Faut recommencer la run du début. Donc il faut vraiment enchaîner plusieurs batailles d'un coup en fait. Où est le vrai Végito? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a un du passé, un du présent. Peut-être que les deux sont du passé, on ne sait jamais si vous regardez une VOD. Mais voilà, donc en vrai c'est sympa. Le jeu est sympa, mais c'est juste que si vous attendez pas un roguelike, vous risquez d'être déçu. Moi ça m'a un peu déçu en vrai. Parce que le concept en lui-même il est bien, mais moi je m'attendais à un vrai tactical et pas à un roguelike. Donc ça c'est. J'ai pas envie de jouer un roguelike pour un tactical RPG, donc c'est un peu dommage. Mais pourtant, tout est nickel sinon à côté. Hein. Le pixel art et tout, il est parfait. Les musiques sont incroyables. Le remix des musiques de Metal Slug, si vous connaissez pas du tout, si vous habitez dans une grotte depuis les années 90. C'est une série d'arcade de SNK qui a fait les beaux jours, bien sûr, de l'arcade, mais aussi de la Neo Geo, évidemment. Et bah donc, c'est du beat'em up, hein, run and gun, donc où on pouvait jouer en coop, etc., avec des défilements automatiques. Et c'est une série de fous, hein, c'est une série de fous à la base. Mais ouais, c'était assez saoulant, en tout cas, d'avoir un tactical développé autour de la série, parce que l'univers il est assez exceptionnel avec beaucoup d'humour et tout. Et ouais, le fait que ce soit finalement une formule roguelike, en fait ce qui m'embête avec le roguelike, c'est pas que ce soit un roguelike, c'est que t'as l'impression que tous les jeux indés c'est des roguelikes, quoi. Ça c'est un peu embêtant aussi. C'est un peu embêtant. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait. Ça, c'était montré au Summer Game Fest. J'ai testé la démo. Donc, ça, c'est les démos qu'on avait au Steam Festival. Le Wonder Stars, hein, qui a un style très. Très manga. Un peu, on va dire, vite fait inspiré à la Toriyama. Mais tu sens que c'est occidental, hein, en termes de style. Donc, ça a une bonne gueule. Ça a une bonne gueule, des bonnes animations et tout. Il faut que je vous montre le système de combat qui se base avec un système de mots. Ça rappelle un peu Toki Totowa. En termes de visuel, Toki Totowa qui était un RPG entièrement animé en 2D, donc avec un studio d'animation qui s'occupait de faire tous les sprites, etc., même pour l'exploration et tout. Hein. Et c'était assez rigolo. C'était Time and Eternity chez nous. Le titre anglais, c'est Time and Eternity. Je vais réussir à le dire en une fois. C'était Imagipoc, hein, qui faisait ce jeu, hein, à l'époque. Hein. Il me semble bien. Mais ouais, donc il a une bonne petite gueule. D'ailleurs, on sent l'inspiration Persona quand on a le résultat de la victoire. Avec le personnage qui court avec un foie un peu uni et tout. Mais ça a de la petite gueule. C'est plutôt rigolo comme jeu. Ensuite, j'ai testé. Comment il s'appelle déjà celui-ci? C'est. Moon. Mince, attendez. Je vais revenir sur le. Parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis, qu'il y a tellement de trucs, je me souviens plus de Last Moon, voilà. Last Moon, c'est inspiration un peu Seiken Densetsu, voire les vieux Zelda, du coup. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, justement, des RPG 16 bits, en général. Donc ça a une bonne petite gueule, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc pareil, j'ai testé la démo, j'ai bien aimé. Le jeu a totalement un game design de Souls. Hein. Là, je montrais les roulades, etc. Je dis c'est comme un Souls, mais il y a aussi les feux de camp et tout. C'est-à-dire que on peut pas récupérer de points de vie à part en fait, on a une jauge en haut à gauche. À force de récupérer des ressources, si on a la jauge au maximum, on peut se restaurer 2 points de vie. C'est juste voilà une recharge comme ça qu'on peut consommer.
Mais sinon, pour se restaurer les points de vie, il faut se reposer au feu de camp, etc. Et voilà, on a toute une structure un peu presque Metroidvania-esque, où on a l'air d'avoir donc des environnements à cartographier, à explorer, etc. au fur et à mesure. Sauf que là, on est vraiment dans une exploration, bah, ça rappelle les vieux Zelda ou les Seiken, etc. Quand je dis les vieux Zelda, genre du A Link to the Past ou quoi. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal comme petit jeu indé. Et sinon, bah, j'ai pu tester celui-ci. Donc celui-ci, c'est purement japonais, par contre. Donc, nouveau Metroidvania développé par Ladybug. Blade Chimera. Blade Chimera, du coup, qui est un produit original comparé à ce qu'ils ont sorti récemment. Récemment, on avait eu droit à Deedlit in Wonder Labyrinth, qui était adapté des Chroniques de Lodoss. On avait eu droit à Toho Luna Knight, qui était adapté de la licence de shmup Toho. Et il y avait également le Shin Megami Tensei Synchronicity Prologue, qui était dans l'univers de Shin Megami Tensei, du coup, avec un petit Jack Frost. Mais ça, c'était un petit jeu, il était pas très très long. Mais ouais, du coup, ce Blade Chimera, ça me sauce toujours autant. Vraiment, là, le gameplay de la démo, alors c'est toujours le même genre de game design, c'est-à-dire qu'on a vraiment. Enfin, sauf que là, contrairement à, par exemple, Deedlit, où on avait genre deux pouvoirs, dans Toho, c'était pareil, là, on a deux armes équipables. Mais on n'est pas obligé d'avoir le flingue et l'épée, par exemple. Et on a aussi un pouvoir qui se débloque par la suite. Donc là, on voit qu'on a le pouvoir de l'épée. Et avec le pouvoir de l'épée, on peut, bah par exemple, on peut la planter sur le sol pour pouvoir gravir des environnements plus hauts, etc. On peut également se servir pour attaquer. Mais on a aussi une épée hein, qu'on récupère, qu'on peut utiliser en attaque au corps à corps. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux slots d'armes. Donc on peut vraiment équiper deux armes assignées à deux boutons différents. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on n'a pas forcément le flingue et l'épée. Et on a plusieurs types d'épées d'ailleurs dans le jeu. C'est un peu comme dans Deadlit, on avait plusieurs types d'armes. Par exemple, on avait une rapière qui attaquait que tout droit. On avait des épées qui attaquaient horizontales mais avec un slash. Des grosses épées qui attaquaient de manière verticale, donc avec un arc de cercle autour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des types d'attaques différentes avec une portée différente, vitesse différente. Donc, il faut vraiment s'adapter par rapport à la façon d'attaquer. Et là, c'est la même chose du coup. On a vraiment plusieurs types d'armes différentes et faut vraiment réussir à s'adapter par rapport à ça. Mais ouais, là on voit qu'on peut vraiment planter le. Donc ça c'est le pouvoir par contre. Hein. Cette épée qu'il y a derrière, c'est le pouvoir qu'il peut activer. Et il peut vraiment la planter. La planter où il veut quoi. Pour pouvoir s'aider. Et du coup, gravir des. Là c'est juste le début du jeu, donc il y aura sûrement d'autres pouvoirs qui vont se débloquer au fur et à mesure. Pour nous permettre de débloquer encore plus de zones. Mais bon en tout cas. Il est super cool. La démo est assez courte, mais le jeu sort en août. De toute façon, il sort assez rapidement. Donc, on en reparlera sans doute quand le jeu sortira. On fera sûrement un petit gameplay dédié. Ça sera l'occasion de revenir un peu sur le développeur Ladybug. Mais en tout cas, ouais, je suis très très chaud. Si vous voulez tester la démo, hein, elle est encore disponible. Les démos du Steam Fest, c'est que pendant une semaine. Hein. Donc, là, c'est depuis lundi que ça a commencé. Donc dépêchez-vous si vous voulez tester encore des démos parce que ça va disparaître. Après, il me semble qu'on ne pourra plus les télécharger. Voilà pour ces démos du Steam Fest du moins. Tac. On va parler du coup du jeu qui fait un peu jaser. Le fameux Clair Obscur Expedition 33. 33. Soon she'll wake and paint again. Ah, Deadlit est assez court et salut soir. Paint a new number, ticking down every year. One stroke. Donc quand on a vu ce trailer, on se dit ouais jolie DA, etc. L'univers avait l'air d'être assez riche et tout. Mais après assez étonné de voir le gameplay. Paints again. And every year, an expedition departs for the continent. Qui s'inspire clairement des productions japonaises du coup. Je propose un tour par tour un peu à la japonaise avec pas mal de fonctions. Or c'est un peu bordélique, on comprend pas tout. Mais même déjà, quand on voit l'exploration, t'as l'impression vraiment de voir avec l'univers et tout ça, t'as vraiment l'impression de voir un univers de RPG à la japonaise. Alors le jeu est pas du tout japonais, hein. Il est franco-anglais je crois.
Parce qu'il me semble qu'ils ont un studio à Montpellier et un studio à Londres. Après, on a un peu le système de combat au tour par tour. Donc on voit les barres de vie, on voit les, un peu les menus, etc. C'est très rapide, très confus. Faut vraiment appuyer sur pause pour comprendre un peu ce qui se passe. Hein. Moi j'attends de voir ce que ça donnera. Hein. Je trouve pas ça nul, mais je suis pas non plus subjugué. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right. We. Donc on va revoir un petit peu les passages du gameplay. Donc on peut voir qu'il y a des notions de rythme, hein. Donc on peut penser à Shadow Heart, Lost Odyssey, trucs comme ça, hein. Donc les notions de rythme, même si on peut revenir plus loin, rien que la dernière fois, c'était il y a deux émissions, je vous ai montré Paper Mario, il y avait du rythme aussi. Du coup, c'est quelque chose qui est déjà très, très commun aujourd'hui pour essayer de dynamiser du tour par tour, essayer de mettre une petite notion de QTE. Pour dynamiser le tout et surtout pour te donner un bonus, parce que là on voit qu'il faut appuyer sur le moment où le curseur est jaune pour avoir un bonus de dégâts. Donc là on voit perfect et c'est bon. Mais ça me paraît bizarre en fait, le QTE qui s'active pendant les actions en fait. Vous voyez, là ça fait déjà des dégâts. Tac, il y a déjà un dégât qui s'est lancé. Et après il faut faire le perfect pour maximiser un autre dégât quoi. Je trouve ça trop bizarre. Donc il y a encore du QTE. Là on a vu le menu, mais vous avez vu à quel point ça apparaît vite. Et c'est écrit tellement petit. Donc j'espère que ça, ils vont l'améliorer un petit peu, parce que je trouve que c'est pas super clair en fait la façon dont c'est mis en valeur, tout ça. On a une petite jauge là, hein. C'est tout minuscule. Et vraiment, tout est tout petit. Ça mériterait d'être un petit peu élargi tout lui, hein, mais je pense que le jeu est pas du tout définitif. Hein. Dans tous les cas, il y a plein de trucs à revoir. Après, ça m'étonnerait pas aussi qu'ils essaient de garder un côté un petit peu épuré comme ça, mais là on sent qu'ils essaient de faire comme Persona 5 en termes de menu, mais en ne tentant pas trop non plus, en voulant faire en sorte que ça prenne pas trop de place. Donc faut savoir au bout d'un moment. Mais le truc c'est que là, imaginez, ça passe super vite. Là, il appuie directement sur skill. Tu vois directement skill, t'as le temps de voir un truc genre, tu vois donc overcharge, lumière à sol, d'ailleurs, ben tout est boutonifié. C'est-à-dire, on dirait que c'est que des raccourcis rapides en fait. C'est un peu bizarre pour un tour par tour de faire un truc comme ça. De pas avoir une liste pour sélectionner toutes tes compétences. Mais ouais, peut-être ils veulent que tu appuies directement, genre t'appuies sur X, tu appuies sur Y, tu vois, tu connais tes raccourcis, tu veux que ça aille vite et tout ça. Peut-être qu'ils veulent faire comme ça, et c'est possible, et ça peut être bien en vrai, s'ils veulent que ce soit fluide. Si tu connais bien et tout ça. Parce que là, on voit que le menuing, regardez. Donc le menuing, il dure vraiment 2 secondes, même pas. Hein. Et après, derrière, on a 800 QTE. Là, ça me rappelle Eternal Sonata, ça. Petite phase où tu t'actives une compétence et petite phase où t'es en train de tirer comme ça. Ça me rappelle un peu Eternal Sonata. Donc là, on a un contre. Alors, aucune idée de comment ça se... Parce qu'on voit qu'il y a marqué Mael Perform Counter. Donc, est-ce que c'était une compétence? Est-ce qu'elle était en posture de contre? Donc elle a pré-shot le contre, ou est-ce que c'est... Non, là on voit qu'il y a marqué. On voit qu'il y a marqué dodge, jump, parry. Donc ouais, c'est vraiment une option à aller saisir en fait quand on se fait attaquer du coup. C'est-à-dire qu'on peut le faire à chaque fois, mais c'est super fort. Est-ce que ça consomme quelque chose? Attends, on va regarder. Mael, c'est elle du coup. Hein. Donc elle a une barre qui est à 9. Est-ce que... Ah, alors là, l'art du montage, malheureusement, on pourra jamais le voir, en fait. Parce que là, on voit qu'elle fait un contre. Mais en fait, là, c'est une autre scène. C'est pas la même scène.
Du coup, on sait pas s'il y a quelque chose qui a été consommé. Donc on pourra pas le savoir. C'est pourquoi ils ont fait ça pour le style, mais le problème c'est qu'on voit pas en fait. On comprend pas. Et vous voyez ça, dans le trailer en lui-même, ça change d'ennemi et tout. Ils font ça pour le style, tu vois. Mais ouais, on aimerait bien comprendre comment ça. D'ailleurs, est-ce que c'est un truc qui est dédié à Maël? Parce que Maël, en fait, c'est le seul personnage qui a ce truc de stanceless. Peut-être qu'elle a un système de pause, etc. Peut-être c'est enfin, le principe de Paris et compagnie, peut-être c'est elle uniquement, et pas les autres. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment interpréter tout ça. On verra bien, en vrai, y a plein de trucs qui ont l'air d'être intéressants, ça a l'air d'être plutôt complet, hein. Mais vous voyez, à chaque fois, il n'y a que elle qui a ce truc de stanceless, quoi. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Oui, c'est qu'un reveal trailer, hein. De toute façon, pour l'instant, c'est dur d'analyser le gameplay sur un truc comme ça. Mais on verra. En vrai, je reste curieux. Je suis pas hypé de ouf, mais je suis quand même positif. Je veux en voir plus sur ce trailer. Donc on verra ce que ça donne. Du coup, on verra ce que ça donne. Donc Expédition 33 hein, à retenir et à garder dans un coin de la tête pour voir ce que ça donnera. Pour ce qui est des jeux qui ne sont pas japonais, également, on a la nouvelle mise à jour de Honkai Star Rail qui arrive la semaine prochaine. Attends, je regarde juste... oui, hein, je l'ai pas montré... Je l'ai pas montré dans Level Up celui-ci. Hein. Ça va. Donc là, Honkai Star Rail, donc je rappelle que c'est un RPG au tour par tour, Game as a Service. Donc c'est un jeu à service de HoYoverse, donc un studio chinois qui a développé Genshin Impact notamment. Et donc le jeu va avoir a des mises à jour de toute façon toutes les 6 semaines. Là, il vient de terminer un arc narratif, l'arc de Pinakoni, le pays des rêves, qui était absolument excellent. Hein. Je joue au jeu, le jeu est absolument incroyable. Donc là, on peut voir un peu les nouveaux personnages. Donc Jade. Et également Luciole, Firefly, ou Kotaru. Donc ça tease également des nouveaux ajouts pour l'univers simulé, hein, qui est un mode de jeu annexe. Donc voilà, ça arrive. Je crois c'est... Ça va être mercredi, c'est ça? Mardi ou mercredi? Je sais jamais le jour. Mais ouais, c'est mercredi ça. C'est mercredi. Mais là, ouais, pour avoir fini Pinakoni, donc, qui était le dernier arc narratif, hein, franchement, le jeu a d'énormes qualités narratives. Et bon, après, niveau gameplay, il est vraiment intéressant, c'est du bon tour par tour, très efficace. Après, le jeu est beau, il y a des personnages bien stylés, etc. Franchement, pour les jeux gacha comme ça, avec donc des jeux à service, je rappelle que c'est un jeu qui est gratuit, donc c'est un vrai jeu à service. Qu'on peut télécharger sur son téléphone ou sur PC, il y a un client PC également. Eh bien, c'est un jeu qui dispose d'un contenu assez ouf et surtout d'une variété aussi de gameplay assez exemplaire. Par exemple, là, vous voyez un petit mini-jeu qui sera rajouté. Des mini-jeux, il y en a tellement plein et il y en a tellement des variés. À chaque fois qu'il y a un nouvel événement, un nouvel event, à chaque fois les mini-jeux sont toujours très variés, toujours très très inventifs. C'était un peu la même chose avec Genshin. Hein. Qui réussissait à apporter des choses un peu variées, en fait.
dans le game design. Pour tout ce qui est mini-jeux, variété d'events et compagnie, c'est toujours très rigolo. Par exemple, le dernier event en date, qui est encore actif là pendant quelques jours, hein, c'est il faut aider à faire du montage de films. Et du coup, en gros, il faut monter les films en fait en se calibrant sur plusieurs émotions et tout ça. Donc, c'est un petit mini-jeu où il faut essayer de bien calculer quelles émotions mettre, etc. Pour satisfaire au mieux le public et tout ça, selon ce qui est demandé. Donc ça, ouais, c'est plein de trucs un peu rigolos comme ça. Il y avait un event où il fallait s'occuper d'un musée, donc c'était un peu c'était comme le mini-jeu de gestion de Yakuza Like a Dragon. Il fallait gérer le musée, etc. Ça, mettre les bons employés aux bons endroits et tout ça. Vraiment, c'est très varié en fait. Tout ce que le jeu propose au fur et à mesure de son contenu, c'est assez ouf. Et sans les events, hein, donc l'histoire principale est super intéressante, c'est très développé, très intéressant et tout ça. Et ouais, franchement, je suis fou de ce jeu, il est trop trop bien. C'est le seul gacha actuel, hein, auquel j'arrive encore à tenir. Et je suis totalement, alors je suis pas addict, hein, mais je suis totalement fan en tout cas de la proposition. Parce que par rapport à un Genshin, c'est un jeu qui demandait aussi de véritablement jouer au jeu. Ce que je veux dire, c'est que dans ce jeu, tu peux vraiment gagner du temps vu que c'est du tour par tour. Bien sûr, tu as du système de combat automatique, et donc si tu dois faire des quotidiennes, etc., bah là, tu peux vraiment jouer, hein, sans vraiment allumer ton cerveau, quoi. Ça reste un peu moins envahissant que d'autres produits qu'a produit HoYoverse. Et que va continuer de produire HoYoverse, parce que je rappelle qu'il y a Zenless Zone Zero qui sort bientôt aussi, hein, ZZZ. Lui aussi, je pense, ça va être comme Genshin, où il va vraiment falloir jouer au jeu pour pouvoir vraiment, vraiment s'investir dans tous les cas, s'il faut faire des quotidiennes et compagnie. Donc voilà. Allez, on passe à Monster Hunter, qui était une des stars du Summer Game Fest, même si on l'avait déjà vu au State of Play une semaine plus tôt. Eh bien, il s'est remontré pour un deuxième trailer lors du Summer Game Fest. Ça, je trouve ça toujours super stylé là, l'enchaînement cinématique direct gameplay. Bon, après là, on est clairement dans la formule de Monster Hunter World, comme je disais la dernière fois. C'est clairement la scène Uncharted, très impressionnante, très cinématographique. Le jeu a l'air d'être déjà très très avancé, hein, vu qu'ils en montrent déjà pas mal. Il sera jouable à la Gamescom, hein, d'ailleurs, hein, en fin août. Hein. Il sera jouable, donc on aura peut-être des vidéos de gameplay à ce moment-là. Et du coup, c'est notre héros qui est parlé là. Donc, comme on avait dit la dernière fois, hein, notre héros parle. Donc là, on voit que c'est un avatar féminin maintenant. La musique est incroyable aussi. Hein. En tout cas, Capcom, ils ont l'air d'être prêts. Hein. Ils ont l'air d'être bien prêts. Le jeu a l'air d'être super avancé. Et de toute façon, je pense que vu que ça va être un jeu avec un grand environnement, etc., je pense que là, le jeu, il doit être quasiment fini et qu'il doit être vraiment dans une grosse phase de débug ou quoi. C'est souvent le cas en fait quand t'as des jeux qui sont très vastes en termes d'univers, d'exploration et tout ça. En général, il y a des grosses phases de débug. Donc, vu qu'ils sont déjà prêts, déjà à montrer pas mal de trailers et qu'ils vont présenter le gameplay à la Gamescom. On peut peut-être se dire que 2025, ce sera vraiment le début de l'année 2025. Je pense qu'on peut tabler vraiment entre janvier et mars pour le premier trimestre, tout simplement, de 2025. J'ai très hâte en tout cas. Je suis de plus en plus ambiancé par ce Monster Hunter Wilds. Hein. Je suis bien saucé. Ah, et on a enfin eu un trailer pour l'épisode Aegis de Persona 3
Reload. Donc DLC qui va adapter l'épisode The Answer qui était uniquement disponible dans la version PS2 Persona 3 FES. FES pour festival hein, et pas pour le popotin. Donc c'est le 10 septembre que ce DLC sera disponible officiellement. On a pu voir un peu donc la présence de Métis notamment. Qui sera jouable dans ce contenu, hein. Donc on voit également les portraits disponibles et tout ça. La sœur d'Aegis. Hein. Donc ouais, c'est très cool pour ce contenu. Je me demande s'il sera achetable à part par contre. Hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette extension du fait que ouais, ils te mettent beaucoup de cosmétiques entre. On avait vu ça il n'y a pas longtemps, hein, le set de musique qui avait été mis en avant avec un petit trailer pour les costumes. Enfin les costumes et musique Velvet Room du coup. Et il y a aussi donc les musiques Persona 5 Royal et Persona 4 Golden qui avaient été mis en avant. Allez, on rentre dans le gros segment Atlus et Métaphore et Fantasio. On a beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est le trailer. Alors, pourquoi il est en anglais? Parce qu'il est en anglais dans toutes les langues, même au Japon. Parce que c'est un trailer découpé pour le Summer Game Fest. Donc, découpé par les Américains eux-mêmes, en fait. C'est un trailer d'Américains. D'ailleurs, on le voit avec les fondus au noir. Tan, tan. Vous voyez, c'est vraiment très à l'américaine, hein, dans la façon de mettre en scène. Si vous avez l'habitude des trailers de films américains et tout, même les jeux vidéo, de toute façon, c'est pareil. Hein. C'est toujours les mêmes trailers. Hein. Remind people that the same powers lie dormant within them. Ça va être un très long segment, hein, je vous préviens. Hein. On est parti pour une heure, je pense. Hein. Now you've acquired a most interesting power, an archetype whose existence was only theoretical. You wield power now. Incroyable. Donc il sort le 11 octobre, hein. C'est pas de nouveauté, je vais passer directement à la suite. Parce que ça va nous prendre une plombe tout ça. Donc il y a eu un Atlus Exclusive 2 avec Katsura Ashino qui nous a présenté du gameplay. De nouvelles mécaniques de gameplay du coup de Métaphore et Fantasio. Pour nous en dire un petit peu plus justement sur ce qui nous réserve avec ce jeu. Là, c'est les archétypes et le par alliance, du coup, le système de job. Bon, j'ai gardé la version anglaise pour qu'il y ait les sous-titres, bah, les voix et les sous-titres anglais, parce que j'avoue que ça m'embête toujours un petit peu quand on met un bonhomme japonais qui parle, mais qu'on le redouble en anglais. C'est bon, il y a les sous-titres, mais vous pouvez lire, là. Understanding the various archetypes is crucial to mastering this title's battle system. In this edition of the Atlus Exclusive 2 Metaphor Refantasio Showcase, we will dive deeper into the different types of archetypes and how to use them. For those who haven't watched, in our previous showcase, we introduced the overall game flow. We will continue to reveal new content. Et le pire, c'est que les sous-titres, ils sont intégrés de base dans la vidéo, c'est pas des sous-titres YouTube. Donc tu leur mets sous-titres plus voix, c'est ça qui me bute en fait. On n'est pas sûr, hein. On vous met les deux. Hein. First, let's review the battle system introduced in the previous live stream. Metaphor features a turn-based and action-oriented battle system where enemies of lower rank are defeated through real-time. Ouais, après Atlus, ils font
Mais en vrai, c'est une stratégie qui marche plus ou moins pour Atlus parce que je pense que ça leur permet de vendre deux fois le même jeu. Et donc de surtout d'avoir plus de temps pour développer des nouveaux jeux. Cette année, quand même, Atlus, on va pas trop leur cracher dessus, hein, parce qu'Atlus, ils sortent quand même trois jeux inédits cette année. Hein. Entre Unicorn Overlord, Persona 3 Reload, même si c'est un remake. Et Métaphore et Fantasio. Parce que c'est un remake, c'est quand même un nouveau jeu. Hein, mais Persona 3 Reload. Hein. Même si c'est pas intégralement un nouveau jeu. On va dire 2,5. Voilà, 2,5. Ça, tout le monde est content. Parce que Shin Megami Tensei 5, par contre, là, c'est un remaster. The individual in Academia has high hopes for the protagonist's awakened archetypes. I've been waiting. He is well versed in archetype knowledge. Ouais, donc c'est la Velvet Room, hein. Pour pouvoir améliorer nos archétypes. En gros, c'est le principe de job, hein, qui va être totalement découpé en fait avec ce système d'archétypes. Les archétypes, en gros, c'est des personas plus ou moins. Mais la différence de Persona, on va dire, c'est que là, on a vraiment découpé la façon de jouer les différents archétypes. Dans Persona, on va dire qu'on a plus ou moins qu'une façon de jouer. Même si tu as des personnages qui sont plus forts en attaque, d'autres qui sont plus fortes en défense, etc. Là, ce sera vraiment par un système de job, c'est-à-dire que tu auras vraiment le job de mage, le job de voleur, le job de paladin, etc. Vont vraiment définir plusieurs choses au niveau du gameplay. In the last live stream, we introduced the different types of archetypes, including some of the foundational ones. The versatile seeker, who is a well-rounded archetype. The mage, who can exploit the enemy's weak points with powerful magic. The thief, skilled in abilities like robbery. The brawler, who excels in physical attacks using their fists. Après, le problème avec Atlus, c'est qu'on ne sait pas si ça sera toujours le cas, hein, s'ils vont toujours proposer un... toujours proposer des versions plus sur tous leurs jeux, quoi. C'est pas systématique, en fait. Genre, sur Soul Hackers 2, il n'y a pas eu de version plus, pour l'instant. As the game progresses, players can unlock evolved archetypes such as the Masked Dancer, whose skills and resistances can be freely changed with equipment. The Summoner, who is perceived as a highlight in job change games with its power to summon monsters, and the Berserker, who has tremendous destructive power. There are 14 basic archetype lineages. Ouais, c'est peut-être que les succès commerciaux, mais faut voir. In total, there are more than 40 archetypes available. Each archetype gains experience through battle and learns various skills. There's a wide variety of skills with different attributes and ranges, such as buffs, recovery, and passive skills to improve abilities. Mastering these skills allows players to gain an advantage in... Alors, vous voyez que même si ça a des noms différents et tout ça, hein, c'est vraiment le... c'est vraiment le Shin Megami Tensei, hein, la façon dont c'est présenté, hein, le fait qu'on peut avoir des résistances, des faiblesses et compagnie. Furthermore, c'est géré vraiment de la même manière. Players can advance to higher tier archetypes. While the archetypes like the ones introduced earlier are unlocked as the base archetype of each lineage, progressing them through battle and strengthening bonds with supporters encountered on the journey is crucial. This system unlocks conditions for acquiring even more advanced archetypes, providing substantial. Voilà, donc là on voit qu'avec ce lien qu'on vient de former, hein, c'est comme les social links du coup dans Persona, donc on voit que l'équipe peut améliorer, peut maintenant étudier, du coup apprendre la classe de Brawler, donc la bagarre. Et donc renforcer les liens, en fait, ça va nous permettre de débloquer de nouvelles classes, sans doute aussi pour les améliorations. Je pense que pour améliorer un archétype, comme ils expliquaient, il va y avoir plusieurs conditions, genre augmenter à tel level l'archétype, avoir le lien à tel level, des trucs comme ça, quoi. Soul Hacker, on en parlait juste avant.
The gunner, who can shoot from a distance, is a heroic figure in the range. Ouais, il y a 40 archétypes qui sont annoncés, donc ouais, ça fait quand même du contenu. And then on to Dragoon, who can trigger attacks with various magical attributes by deepening the bond. Parce que là, ce qui est intéressant en fait par rapport à Persona, parce que Persona, vous allez me dire, il y a plus de démons, mais là, le truc, c'est que c'est vraiment des styles différents pour chacun d'entre eux. Each character changes based on the equipped archetype. So I think you will enjoy the work very much. This title was created with the cooperation of guest creators, including Koda Kazuma for the background concept art. Bon, ça, Koda Kazuma, ils en avaient déjà parlé la dernière fois, qui avait fait des concept art sur Nier. Donc Yuji Himukai qui est un des designers de Etrian Odyssey, qui design également quelques-uns des archétypes. Based on creating characters from a large number of jobs and organizing them into parties, and the fact that we have incorporated the ideas of the creator who has consistently been in charge of the design of the series is not only impressive, but also an appropriate element for the 35th anniversary title of the Atlas brand. So please look forward to it as well. Voilà, donc un peu de système de combat avec le système d'archétype. Hein. Donc la dernière fois, on avait vu le principe de combat, enfin le fait qu'il y avait les combats en temps réel, les combats au tour par tour, hein, le switch. Against higher ranked foes, players can stun enemies with fast action before engaging in advantageous squad turn-based battles. However, if attacked by enemies first, the turn-based. Voilà, donc on peut, comme dans la plupart des jeux de ce type, hein, on peut prendre l'adversaire à revers, du coup prendre l'avantage, on peut engager le combat normalement, on peut également se faire prendre par surprise. D'ailleurs, vous avez remarqué que si on prend l'avantage ou si on se fait prendre de revers, la petite animation qu'il y a en engageant le combat, là celle-ci, elle est différente quoi. The number of actions per turn is determined by the number of party members. And the number of actions increases if the enemy's weak points are exploited. So, strategize your next. Donc au niveau du système de combat, alors c'est un peu dur à voir parce qu'il y a leur gros panneau en haut à gauche de l'écran, mais en fait c'est un système comme il explique à la Shin Megami Tensei, c'est-à-dire que en gros on a un nombre de tours défini par le nombre de personnages à l'écran, et si on arrive à exploiter des faiblesses, eh bien ça va nous permettre de répéter un des tours. Et c'est pas comme dans Persona où ça va être le one more pour le personnage actuel, vous voyez ce que je veux dire? Là ils ont pas gardé la structure Persona, ils ont gardé plus l'aspect chez Megami Tensei où le tour va se répéter, mais par exemple comment donner un exemple, imaginons on a 4 tours au départ et du coup donc on va activer une faiblesse pour les 4 tours, enfin non, pour les 3 tours sur les 4 par exemple. Et en fait, quand on va rejouer, enfin, on va faire d'abord nos 4 tours du coup. Quand on va rejouer, bah, ça va reprendre par le premier personnage qui a attaqué. Et on va juste jouer 3 tours supplémentaires. Donc par les 3 premiers personnages qui ont attaqué. Là, c'est un peu de la même façon du coup. Je sais pas si c'était clair. Hein. J'expliquerai peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a d'autres vidéos de gameplay sans commentaires et sans bordel là, à l'écran. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous parle de la synthesis, donc c'est une sorte de grosse attaque spéciale. Cette attaque, par contre, consomme plus de cristaux d'action. Donc là, rien qu'avec... Alors, il y a ces attaques qui sont aussi souvent en double, donc ça fait attaquer 2 personnages en même temps, on peut aussi attaquer avec 3 personnages. Donc, utiliser cette action, ça va utiliser 2 actions du tour, en fait. In psychological terms, is a system that allows archetypes to combine with other party members. Ah ouais, il va être incroyable le jeu. It can activate a special technique that is not available otherwise. To perform this skill, it consumes more than a normal action as it consumes an additional action from your allies. Arrête de copier ce que je viens de dire. This technique is more powerful for that reason. Bah, encore heureux que c'est plus puissant. A mage and healer can only target a single enemy with their attack. With the use of synthesis, the target. Mais c'est vraiment de la combinaison en fait de jobs, hein, semblerait.
but by using synthesis, the Seeker can use attacks with attributes that are normally unavailable to it, such as light or strike. In addition, warriors are good at physical attacks. But if many of the same archetype are placed in a party, the attack characteristics will naturally be skewed. However, the special synthesis attack that can be unleashed by three warriors can do a surprise. Ouais, si on veut faire une grosse équipe de bourrins avec trois guerrières, on peut faire des dégâts assez ahurissants quoi. It can eliminate the enemies all at once. The activation conditions change depending on the combination of the party. So it is a fun element to try out. Donc en gros, il y a plein de trucs à tester sur toutes ces actions selon les différents archetypes, les jobs du coup qu'on va avoir d'équiper. Et bien on va avoir la possibilité de faire des actions différentes quoi. Players party compositions become similar as the game progresses or where only certain archetypes are used. Après la vidéo elle est encore elle est un peu pixelisée. Mais ouais, le jeu il a l'air d'avoir un peu de soucis. Après c'est vraiment la technique Persona 5 hein. On est vraiment sur le même moteur que Persona 5. Mais là le problème c'est que la vidéo elle est très 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 floue. Alors dans les environnements sombres ça rend pas trop honneur je trouve hein. While the party consists of four members initially, it can expand to seven as the story progresses. Il nous spoil. Il y aura jusqu'à 7 membres dans l'équipe. Players enjoy developing their unique strategies. De toute façon, ça c'est un truc que tu peux difficilement éviter en vrai. Now that we have explained, tous les membres de l'équipe sont souvent présentés dans les RPG. Let's discuss how archetypes' abilities come into play in other ways. Weapons change depending on which archetype is equipped. And this also. Donc un peu à la Kurono Kuseki d'ailleurs, ce qui est assez rigolo c'est que le système de combat au tour par tour, il appelle Command Battle un peu comme le système au tour par tour de Kurono Kuseki. Et donc on a cette possibilité de se battre en mode action, en exploration du coup. Parce qu'on est dans les donjons et tout. Et selon l'archétype qu'on va utiliser, les actions en exploration seront différentes. In the case of the warrior's great sword, its large swing delivers powerful blows. And while vous pouvez faire une grosse attaque chargée avec la great sword. In the case of the mage's staff, the attack range extends not only forward. Avec le bâton de magie, du coup, attaque en AOE. Ça annihile absolument tout le monde. Many monsters when outnumbered and outclassed. Additionally, there are archetypes that can use ranged weapons. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là, mais je pense qu'il faut rappeler que c'est un jeu PS4 Xbox One. Hein. Je pense que c'est surtout sur la old gen que le jeu va un peu souffrir, mais. You might use a gunner with long distance attack range to take down flying foes. However, if you choose the protagonist's archetype focusing mainly on. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis, on va dire, sur les générations series et. Là ils sont sur Series hein, on dirait. En général ils tournent toujours sur Series quand ils montent le jeu. Mais là c'est juste la capture qui est vraiment crade. Hein. La vidéo YouTube du coup. Parce que le bitrate il est... Par exemple, si je vous mets sur pause, regardez là. C'est tout pixelisé, vous voyez, parce que le traitement de la vidéo il est juste dégueulasse. There are various enemies in the dungeons. Je crois que sur la vidéo japonaise, je crois que c'est en bien meilleure qualité là. Parce que c'est un live en fait qu'ils ont fait. C'est pas une vidéo en fait, c'est un live. Du coup, je pense que dans le bitrate du live, ils ont dû mettre vraiment une valeur très très minime. So please enjoy trying out various party strategies of your choice. Parce que même si c'est une vidéo préparée, on est d'accord, mais ça a été diffusé en live en fait. Ça n'a pas été diffusé genre en première ou quoi, sur YouTube. Monsters called humans are especially tricky to face, so beware. We think you will enjoy planning strategies for the battles ahead. Il est pas sur Xbox One le jeu ? Là je pensais. The degree of freedom in party formation.
L'exclu PS4. Varies depending on which quest you conquer first can affect the perceived difficulty of battles. Alors que c'est un jeu qui est tellement mis en avant sur Xbox. C'est triste. The difficulty of the game can be changed at any time. And by using the retry feature, you'll be able to return to the top of the battle and take on the challenge again with other strategies you might have thought of. So please rest assured that this game is made in a way that ensures all players can confidently take on the challenges. Alors attendez, est-ce que j'ai... A network feature. Non, j'ai pas raté ça. Donc ça c'est les fonctions d'internet en fait, comme on avait depuis Persona 5, on a des fonctions network qui s'améliorent d'ailleurs de jeu en jeu, proposant parfois des petites features comme pouvoir répondre aux questions quand on va à l'école, etc. Là, la fonction network dans celui-ci, ça va nous permettre d'avoir des propositions de composition quand on va faire un donjon. Du coup, on va voir ce que les avec quoi les joueurs ont exploré un donjon, ce qui peut nous aider en fait quand on n'est pas un joueur très expérimenté, qu'on est un peu perdu avec tous ces donc les 40 jobs différents et compagnie, on va pas trop savoir quoi utiliser. Ben on va peut-être se dire, tiens, ce mec qui est level 99, il a peut-être fait une bonne composition, non? D'ailleurs, s'il y a marqué normal, ouais, c'est le mode de difficulté. Hein. Il y en a un qui joue en hard là. Il n'y en a qu'un seul qui joue en hard. Peut-être celui en haut à droite, il joue aussi en hard, mais j'ai pas vu. Et voilà, on peut switch directement pour voir un petit peu. Ça peut être intéressant en plus parce que, justement, si on va voir quelqu'un qui joue en hard, si on joue en hard nous aussi, qui utilise telle composition, bah peut-être qu'il va être plus dans le vrai. S'il a réussi à passer ça en hard, avec cette composition, ça doit être efficace, quoi. Ça doit être efficace. Recommended information of specific party setups for certain dungeons. This network feature is like a modern version of that kind of playstyle. Above all, we wanted players to be able to see firsthand how other players are progressing in the dungeon they are currently conquering, using their own party composition and ingenuity, even though it is a loosely connected aspect. Well done. So, what did you think? C'était bien. Mais ouais, le jeu a l'air d'être trop bien. Bon, après, il y a plein de trucs. On va pas regarder tout ce qu'il y a à la fin. Juste pour dire, voilà, il y a la collector et tout ça. D'ailleurs, juste un petit mot. Alors, je redis que la collector japonaise n'aura pas. Non, la collector européenne et américaine, du coup, n'ont pas les artbooks Atlas History et l'OST. 35 ans all-time best au format physique. C'est disponible que sur la version japonaise, mais par contre, attention, la version japonaise de Métaphore est uniquement en japonais. Si vous comptez l'acheter en japonais, c'est à vos risques et périls, hein, parce que le jeu sera uniquement en japonais. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le collector, c'est juste que ça, c'est en digital, alors qu'au Japon, c'est en physique, ce machin-là, le truc de l'histoire. Mais sinon, Artbook et OST de Métaphore, c'est toujours en physique. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, Steelbook, les trucs pre-order, etc. La carte. Alors, il y a plein de trucs à dire par rapport à Métaphore encore. Là, je voulais revenir aussi sur le fait que... ils le disent dans le direct japonais. C'est que dans le... Je sais plus si c'est dans le bouquin Atlas ou si c'est dans le bouquin Métaphore. Mais il y a des commentaires... Enfin, ils le disent ici. Ils disent qu'il y a des commentaires de nom du jeu vidéo, mais ils ne précisent pas qui. Dans le direct japonais, en fait, il précisait qu'il y avait Yuji Horii notamment, qui laissait un message pour justement par rapport à Métaphore. Donc il y a plein de créateurs du jeu vidéo japonais. Il y aura sûrement Yoko Taro aussi qui laissera un message, parce qu'il avait déjà laissé un message à l'annonce du projet à l'époque. Donc ouais, je pense qu'il y aura plein de créateurs un peu reconnus dans le milieu, du coup, qui laisseront un message. Il faut rappeler que le jeu, est-ce que c'est le cas ici? Non, là, c'est juste Atlas Métaphore. Mais il faut rappeler que le jeu au Japon... Attendez. Si je reviens sur ici. Il faut rappeler que le jeu au Japon, il est... le site officiel, c'est rpg.jp. Voilà. Le site officiel du jeu, c'est rpg.jp. Ce jeu, c'est le RPG.
Le collector au Japon, il est dans les 15 000 yens, je crois. À la limite, ça va, tu vois. Bon, Famitsu, qui a fait une présentation de la démo, donc gameplay sans commentaire ni rien, donc c'est assez sympa. Pour avoir un petit peu les différents modes de la démo. Donc il y a trois modes de la démo, il était présenté au Japon, donc la démo du jeu était présentée au Japon. Lors du petit festival qu'a organisé Atlus le week-end dernier. Donc ça nous montre un peu le mode story pour voir un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez que de toute façon c'est réalisation à la Persona. Là déjà la capture elle est déjà en bien meilleure qualité hein. En plus là on est en 4K. Même si en vrai le 4K vous allez pas trop le ressentir avec un stream en 1080p. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le héros qui parle, c'est important de le souligner. Mais ouais, enfin, le jeu techniquement, il est extrêmement pauvre. Hein. Vous voyez, la plupart des textures, même le modèle du personnage, etc. On est clairement sur un jeu qui est l'héritage de l'ère PS3 à 360. Hein. Vu qu'il garde le même moteur que Persona 5. Mais donc on a un héros qui parle. Est-ce que pour les prochains Persona on pourrait avoir justement cette règle qui s'applique également? Ça c'est cool d'avoir fait que le héros maintenant a des vraies répliques. Même s'il y a toujours des choix. On va pas tout regarder évidemment parce que là c'est l'aspect scénario de la démo. Donc il y a quelques cinématiques de temps en temps et tout ça. Ce que je voulais qu'on revoie également, c'est le principe de world map, hein, parce que tout à l'heure, j'ai vu que ça en a parlé un petit peu, les gens qui sont inquiets du fait qu'il y a le principe de calendrier. Le truc, c'est que là, le calendrier, il va être effectif surtout par rapport à l'exploration. Quand on va s'éloigner, quand on va être à la capitale et qu'on va s'éloigner, et bien en fait, ça va demander des jours de voyage. Et donc, c'est ça qu'il va falloir... C'est un peu comme ce que faisaient les ateliers, les premiers ateliers. Par exemple je prends Atelier Marie hein, j'avais déjà fait l'exemple la dernière fois qu'on en avait parlé, mais Atelier Marie qui était sorti qui était ressorti il y a l'année dernière, du coup on pouvait voir justement le système à l'ancienne où quand on se déplaçait en dehors ben on consommait des jours de voyage. Là, je suppose quand même que ça sera bien géré hein, qu'on n'ait pas l'impression d'être à court de jours en deux secondes. On va avancer, donc on dirait que là que c'est pas super fluide hein. La façon dont c'est montré. Bon, voilà, avant de commencer, voilà comment on joue au jeu. Alors, je sais pas, il y a un... Peut-être le fait que les effets, ils sont pas... C'est bizarre. Après, il y a des coupures, voilà. Là, c'est l'aspect un peu cinématique du jeu. On peut voir un petit peu le... Quelques combats. Familier à la série Persona, évidemment, ce que Famitsu nous dit. On verra des combats un petit peu plus énervés, on va dire, plus tard. Parce que là, on voit, vous avez vu qu'on est deux dans l'équipe. Hein. Attendez, je vais vous montrer. On est deux dans l'équipe, du coup, pour ce début du jeu. Donc là on arrive, on prend l'avantage, et vous voyez du coup qu'on a que deux cristaux. C'est pour définir les tours de nos deux personnages. C'est exactement comme la série Shin Megami Tensei, cet aspect-là. Bon là ils ont attaqué normalement, il n'y a pas eu de faiblesse qui a été touchée.
Et voilà, ça l'a tué normalement, il y a rien à dire de plus. On peut voir un peu les aspects artistiques aussi des différents... Genre quand il y a du level up et tout. Persona 5X, il arrivera sûrement... Mais ouais, voilà comment ça a l'air de se passer, en tout cas dans le mode histoire. Bon, on voit que voilà, on a un petit donjon, on voit que la minimap c'est la même que dans Persona 5. On a la température aussi, je sais pas si ça aura une incidence, mais la température est donnée dans le jeu. Je sais pas du tout s'il va y avoir une mécanique liée à la température. Mais sinon, voilà, on a le calendrier, on voyait qu'on était. C'était quoi? C'était le 5 juin? Sur le calendrier du jeu. Bon, après la démo finit là. Mais ouais. On va passer à l'autre partie de la démo. Donc là, c'est Denfami. Donc c'est le. Donc sur une autre chaîne YouTube, un autre magazine qui est. Un autre média plutôt. Qui a testé le Boss Challenge. Pour voir un petit peu le gameplay, du gameplay avancé contre un boss. On peut voir un petit peu, avant d'aller affronter le boss justement, on peut voir un peu la préparation. Là on est dans la base, notre espèce de véhicule. Ouais, l'OST là va être cool. Hein. Toujours Shoji Meguro à la composition, hein, comme pour les Persona. De toute façon on a vraiment la team Persona sur le jeu. Avec pas mal de guests qui viennent se greffer. Ah là il fait 36 degrés, il fait chaud hein, à l'intérieur. Très important. Et voilà, on peut voir un petit peu tout le monde, on peut voir les différents protagonistes, voir autres personnages qui nous accompagnent, hein, qui sont des personnages on va dire de lien ou de scénario à ce moment-là. Évidemment tout n'est pas doublé. Tout n'est pas doublé. C'est-à-dire que quand on va parler aux personnages comme ça, il n'y a pas du doublage qui est rajouté et tout ça. Il y a pas mal de faces qui sont aussi qui sont pas doublées quoi, qui sont. Donc on est vraiment sur une production Atlus classique, on va dire. Même si je pense qu'il est quand même plus ambitieux que la majorité des jeux d'Atlus. Faut pas s'attendre non plus à l'explosion du budget par rapport à d'habitude. Les portraits 2D, la relique du passé. Mais ça, c'est la technique. C'est la technique Atlus pour continuer à faire des jeux qui sont pas ouf techniquement, en vrai. Tu travailles à fond le côté artistique et c'est bon. Derrière, ça suffit largement. T'as pas besoin de faire plus. Parce que là, le côté artistique, rien que le fait que le jeu soit super détaillé, vous voyez, avec plein d'éléments et tout ça, le fait qu'il y ait plein de trucs à visiter et tout, c'est, même si c'est pas forcément ultra interactif, là, on a quand même de la pêche. Que serait un RPG japonais sans son petit mini-jeu de pêche? D'ailleurs, Aizame, il est doublé par Akio Tsuka en japonais, incroyable. Grosse voix de daron. Donc après, voilà, il déclenche assez des événements et donc on va voir l'attaque du boss. On peut voir aussi la préparation, un peu de menu, hein, donc ce qui permet de voir les protagonistes qui sont jouables. Et on peut changer les personnages. Donc on voit que là les personnages donc ils sont 5 au total. Donc on a un personnage dans la réserve hein, qu'on peut mettre. Hein. Je sais plus si elle avait été montrée en jouable, hein, mais elle s'appelle Juna. Et ils nous ont dit du coup qu'on aurait... Alors je sais pas si on va avoir 7 personnages définitifs, ou si c'est juste qu'on peut emporter 7 personnages dans l'équipe. C'est peut-être aussi une notion à prendre en compte. Je sais pas du tout si ce sera 7 personnages définitifs en vrai. Je vais
Ouais, donc on est toujours les quelques cinématiques en 2D, ça a l'air d'être très présent d'ailleurs. De ce côté-là, ils ont l'air d'avoir mis un énorme effort pour développer plein de cinématiques en 2D. Petit temps de chargement avec la fée qui a quelques animations. Donc comme je vous expliquais, donc on a nos cristaux par rapport aux membres qui sont dans l'équipe. Et donc si on arrive à viser une faiblesse, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là vous voyez le cristal de compétence a été consommé. Là ça va directement faire les synthesis. Donc ça va faire une attaque combinée. Donc pour des buffs comme ça, et ça a consommé deux tours d'un coup. Mais là on voit, attends, c'était avec qui le truc en double. Ouais, c'était avec lui qui a agi en premier. Donc en fait, l'attaque en double, vous pouvez le faire même avec un personnage qui a déjà agi. Tant qu'il y a deux cristaux, en fait, c'est pas grave que le personnage a déjà agi. C'est pas un souci. Mais ce qui fait que là, le dernier personnage, le héros, va pas pouvoir agir là. Sauf si... Attends. Faudrait voir s'il n'y a pas une fonction pour passer le tour. On peut passer le tour. Hein. Donc potentiellement, alors il faudrait voir si passer le tour, ça consomme pas le cristal du coup. Et ça permet juste de faire agir le personnage qu'on veut. Plutôt que de faire agir lui, on fait agir le héros, par exemple. Faudrait voir si ça marche comme ça en fait. Non, je pense pas qu'on va le voir. Mais ça serait intéressant si on pouvait passer le tour pour pouvoir justement faire agir un autre personnage. Qui serait peut-être plus intéressant. Mais là, il arrive à le faire agir quand même parce qu'il a réussi à toucher une faiblesse. Parce qu'il a le droit de rejouer du coup. Et donc c'est le personnage suivant qui rejoue. On voit d'ailleurs le numéro du tour des personnages. Là on voit que c'est à lui, donc il est 1. On voit que ça va être le lapin après en 2, après ça va être elle en 3, et lui en 4, voilà. Donc on voit l'ordre des tours de nos personnages. On peut voir dans quel ordre ils vont agir. Là par contre, comme ce cristal a déjà été activé, pour rejouer, il peut pas être réactivé une deuxième fois. Il faut vraiment que c'est chaque cristal à chaque fois qui est géré comme ça. Il est tellement stylé avec sa grosse barbe. Mais voilà, donc là il a réussi à activer deux fois la faiblesse. Alors il avait consommé un tour, il a activé deux fois la faiblesse, donc là il peut rejouer deux fois pour le prochain tour. Donc là ça commence déjà à connaître un peu mieux le jeu. Hein. Bon, malheureusement ça a coupé, on n'a pas pu voir l'exemple du tour suivant. Et vous avez compris comment ça marche quoi. C'est vraiment... De toute façon, si vous êtes en train de jouer à Shin Megami Tensei 5 Vengeance en ce moment, vous comprenez exactement ce que je veux dire. C'est vraiment le... Exactement le même principe de tour que Shin Megami Tensei quoi. Donc c'est... On a pas vraiment le one more à la Persona... Qui se différencie un petit peu, qui est... Sur la base c'est le même principe hein, mais c'est quand même assez différent le... Le one more à la Persona. Je trouve ça mieux en vrai le principe à la Shin Megami Tensei parce qu'en vrai tu peux continuer d'exploiter les faiblesses. Parce que en fait parfois le one more ça te donne pas envie de
Bah, t'as envie d'utiliser quelque chose d'autre que la faiblesse quand tu fais le one more, parce que ça sert à rien en fait de continuer à exploiter la faiblesse une fois que t'as mis l'adversaire en choc, en fait, en état de choc. Une fois que t'as exploité la faiblesse, quoi. Donc ouais, en général, il faut agir de manière un peu différente. Là, au moins, ça permet d'établir des stratégies un petit peu plus carrées. Je préfère légèrement ce genre de système. Et sinon, sur GameSpot, ils ont eu également un peu de gameplay. Eux, ils ont pu voir la démo version gameplay. Version donjon, pardon. La démo version donjon. Donc là, c'est en anglais, mais c'est la seule vidéo que j'ai trouvée où il y a le... Enfin, il y a aussi un live où il y avait Mafia Kajita qui jouait à la démo version donjon en japonais. Mais bon, c'était une démo où les gens ils parlaient en même temps, etc. Donc du coup, c'était pas forcément le plus pertinent, quoi. Mais voilà, donc ça permet de montrer un petit peu l'exploration de donjon. Là, on peut voir justement le personnage qu'on a vu dans le trailer qui peut devenir un de nos alliés dans le jeu. Mais ouais, les textures et tout ça, elles sont pas très très ouf, hein. Vraiment, le jeu, là, quand on voit les arêtes des portes, on voit qu'il y a plein de trucs pas ouf, hein, au niveau des textures. Donc c'est clair que, contrairement à Persona, où il y a beaucoup de cache-misère, je trouve, en termes de DA, où c'est beaucoup mieux géré, je trouve que c'est beaucoup mieux masqué, là on voit que avec ce moteur-là, on atteint un peu les limites, hein. Ils ont dû vraiment galérer, je pense, pour la construction du jeu. Après, bon, ça n'a pas enlevé que le jeu va avoir d'énormes qualités. Hein. Un test de SMT5 Vengeance, pas pour l'instant. Parce que je n'ai pas encore le jeu. Non, j'ai pas encore parlé de Vision of Mana. C'est Valkyrie. Et je sais même pas si je l'aurai la semaine prochaine, le jeu. Donc, bah, si je l'ai pas, bah, je pourrais pas l'inventer. Hein, donc. Malheureusement, c'est pas dépendant de ma volonté, hein. Mais ouais, donc l'exploration en donjon, donc ça a l'air d'être très cool, hein, tout simplement. Y a pas grand chose de plus à dire par rapport à tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai exposé sur le gameplay, hein. Ça a l'air d'être plutôt chouette. Faudrait espérer juste qu'il y ait des donjons quand même avec des vrais level design, c'est-à-dire des trucs un petit peu plus inventifs et tout ça, et que ce soit pas juste du farming de donjons, juste avec des salles remplies de mobs, etc. Donc on verra un petit peu comment ça se déroulera. Dans tous les cas, ça a l'air bien pour le moment. Faut juste espérer que ce soit... Ah oui, on a... Les tutos ils sont quand même un peu intéressants parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs types, on peut identifier les différentes valeurs de mobs. Et donc on voit qu'il y a bien sûr, bah ça c'est comme dans Persona, dans le 5 ça faisait pareil. Quand on faisait la vue de voleur, on pouvait voir l'aura autour de l'ennemi et c'était exactement le même code couleur, hein, pour ce qui est d'ennemis faibles à ennemis forts. Mais là, avec un univers de fantasy, je pense qu'ils vont pouvoir un peu varier le nombre de mobs, etc. Faire un truc un peu moins carré que Persona. C'est un Persona... Si, si, il y a quand même pas mal de... Quand on creuse, vraiment, il y a pas mal de différences par rapport à Persona. En fait, sur la base, tu vois, c'est vraiment la même structure que Persona. Mais c'est un jeu qui propose quand même ses propres mécaniques et ses propres différences. Parce que là, t'as pas un milliard de démons à recruter, etc. T'as un système d'archétypes à recruter, des espèces de chevaliers qui disposent de capacités uniques. Et en fait, les archétypes, c'est ce qui va nous permettre de changer de job. On en a une quarantaine. Donc ce qui fait que là, t'as pas 500 démons, etc. Je dis un chiffre au hasard, hein. Je sais pas quoi, exactement combien il y en a dans Persona, mais il y en a beaucoup. Mais t'en as dans les... enfin, t'as 40 types de combats différents, on va dire. Que tu peux attribuer à chaque personnage. C'est-à-dire que c'est pas que ton héros qui va pouvoir attribuer ses compétences. Donc tous tes personnages vont pouvoir être personnalisables et... en plus du système de combat au tour par tour, il y a de l'action un peu à la Kurono Kiseki, hein, comme ce qu'avait fait Falcom, du coup. Avec Kurono Kiseki. Donc possibilité aussi de se battre dans l'exploration pour prendre l'avantage en combat
Mais il y a toujours le système de combat au tour par tour quand même. Donc ça permet aussi de prendre l'avantage quand on se combat en action. On avance un petit peu. Bon, après la deuxième partie c'est le boss challenge. Donc on a pas tout à regarder donc ça va. Mais ça permet de voir un petit peu. En tout cas bon de toute façon là je fais le tour. Je pense qu'on a été assez long sur le sujet. Ça a l'air d'être très très bien. Et franchement vivement le 11 octobre. Hein. Ça va être... En fait, à partir de fin août, il va y avoir que des jeux trop trop bien. Ça va s'enchaîner dans tous les sens. Je vais plus avoir une seconde. mais ouais, j'ai hâte. Hein. Ça va être vraiment trop trop cool. Surtout ce jeu, vu qu'il sort en plus sur toutes les consoles. Il sort pas que sur PlayStation, comme les anciens Persona. Ça va être la première fois qu'on va découvrir... Enfin, il y a eu Persona 3 Reload, mais ce que je veux dire, c'est que un jeu aussi ambitieux comme ça d'Atlus, un nouveau jeu aussi ambitieux d'Atlus... sur toutes les consoles, avec le PC, Xbox et compagnie. Bon, il n'y a pas la Switch. Mais donc ça va être la première fois. Ça va être la première fois. Parce qu'à l'époque, Persona 5, Persona 5 Royal, ben, à chaque fois qu'on faisait le Day One, c'était sur PlayStation, quoi. PlayStation 4 ou PlayStation 3, même pour le... si on avait joué au 5 en version Vanilla. Mais ouais, du coup... Je suis très ambiancé, surtout pour le faire sur PC avec le Steam Deck et tout, ça va être trop agréable quoi. Cette fin d'année elle va être oufissime. Voilà pour Métaphore, je crois qu'il n'y a plus rien. Yes, allez, on va passer à Vision of Mana pour terminer. Ça c'est pour moi, c'est la grosse annonce de la semaine. Hein. Enfin le reveal de la date de sortie de Vision of Mana. Et donc on a enfin. On a enfin quelque chose de définitif, hein. Donc le casting se précise, on a les voix japonaises pour la première fois aussi. La voix du Ishikawa hein, pour elle. Hein. La voix de Mikasa dans l'attaque des titans. Ou de Tobi dans Nier Automata. Oui, le bestiaire est nouveau hein, pour... Enfin, tu parles de quoi, de métaphore? Mais oui, pour métaphore, ouais, c'est... Clairement, clairement nouveau. J'ai les émotions quand même. Hein. Entendre du Kikuta. Un Seiken qui a enfin de la gueule. Depuis 20 ans que j'attends ça. Hein. Ouais, il y a la vibe à la DQ11, surtout dans le sens best-of de la série, quoi. Il y a plein de références à tous les épisodes de la série. On peut équiper les esprits élémentaires. Donc pour avoir un mode de jeu spécial. Ça a l'air trop stylé avec Ondine, on nage dans une bulle. On a tout un espace, la verticalité a l'air d'être tellement exploitée. Ça c'est chouette les actions RPG qui exploitent un peu les combats aériens. Donc, les différentes montures, hein. On a un Flammy évidemment. Le Kappa de Seiken 3. Hein. On a aussi
Un petit truc avec Ondine, la petite plante de Legend of Mana, l'arbre aussi. Nicolo. Chacha. Alors, la traduction, c'est une traduction automatique en français, hein, de l'anglais au français. Hein, donc, si vous voyez des termes un peu bizarres, c'est normal. Voilà, donc Vision of Mana sort le 29 août 2024. Donc, il sort bien cet été, il n'est pas repoussé. C'est ouf qu'ils l'ont. Ils l'ont écarté des Summer Game Fest. Après, peut-être que Square Enix n'a pas eu envie de payer 150 000 balles la minute, c'est ça ? Je ne sais plus c'était quoi le tarif pour être présenté là-bas. Mais donc, bon, toujours les mêmes consoles, hein, PS4, PS5, Xbox Series. Ah, il ne sort pas sur Xbox One aussi, celui-ci. Et Steam également, donc sur PC, hein, Windows et Steam. Et donc l'artwork de la... l'illustration qui servira de jaquette pour la version japonaise, du moins. On va parler un petit peu de la différence des versions japonaises, etc. Je vais juste revenir un petit peu sur le gameplay, parce que ouais, le jeu a l'air d'être trop bien en termes de possibilités. Déjà, lui avec le pouvoir de ombre, de l'ombre, il a l'air de pouvoir arrêter le temps et tout, il a l'air d'être beaucoup trop stylé. On dirait un peu le héros de Ni no Kuni 2 en version Flurize. Et déjà ouais, alors le jeu fait un peu lent et tout ça, je pense qu'avec le feeling de gameplay en main ça sera un peu mieux évidemment, parce que quand tu vois forcément que t'as pas le gameplay en main, ça peut... Mais rien qu'avoir des launchs aériens et tout ça, paf, et le rebalancer par terre, bah, ça c'est déjà des bons gameplay qui ont l'air d'être très très plaisants à jouer. Là, le fait de pouvoir arrêter le temps, pouvoir attaquer directement, ça a l'air d'être trop pété. Elle a la voix de Yoko Ikasa en japonais, hein. C'est aussi une seiyuu assez connue, hein, qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Notamment, elle fait, là dans Kuro no Kiseki, là qui va sortir, elle va sortir chez nous, elle fait Judith. Mais elle fait par exemple, dernièrement, elle a fait la voix de Yo dans Shaman King par exemple. Oula. La vidéo, elle a frisé, YouTube qui a un peu plus. C'est le navigateur, je pense, qu'il est en PLS. Hein. D'accord. Pourquoi tu me bugs ici ? Je sais pas. Parce que là, il y avait des trucs intéressants à voir. Attendez, on va peut-être... C'est peut-être le 4K, il me dit... C'est le navigateur, là, il doit me dire... Non, mais frère... frère, arrête. Faut pas de Kuro no Kiseki dans les tweets de sortie JVC, c'est normal. Le jeu est sorti en 2021, je pense qu'ils savent. Donc oui, je voulais voir du coup. Donc là, on voit il y a de possibilités d'utiliser. Donc c'est le pouvoir de Dryade. Dryade. Du coup, on peut utiliser les ronces pour. Et les pouvoirs des fleurs aussi. Les ronces pour envoyer les ennemis en l'air, etc. Alors, ce qui est dommage, c'est le défaut qu'il y a depuis Trials of Mana Remake, du coup. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode multijoueur qui est prévu pour le jeu. Alors que là, on aurait pu vraiment essayer de jouer sur cet aspect qui est l'aspect unique, on va dire, de la série des Mana, la série des Seiken. Depuis Seiken 2, du coup, depuis Secret of Mana, il y avait vraiment cet aspect multijoueur. C'est ça qui a rendu populaire aussi la série. Ça fait partie du succès de la série, le fait d'avoir un mode multijoueur. Et finalement, en vrai, quand on prend la série en elle-même, il n'y a pas eu tant de modes multijoueurs que ça, finalement. Je crois qu'il y a eu que les épisodes DS, il y a peut-être du multijoueur en ligne, non, je sais plus. Je me rappelle plus du tout, hein, sur les épisodes DS. Mais par contre, en local, sur la même console, t'as que Seiken 1 jusqu'à 3, Seiken 2 jusqu'à 2. Je me suis trompé. Seiken 2 jusqu'à 3. Parce qu'il y a tellement de 2 et de 3. Seiken 2, donc Secret of Mana, c'est jusqu'à 3 maximum. Seiken 3, Trials of Mana, c'est jusqu'à 2 maximum. Alors qu'on peut quand même être à 3 en même temps. Mais c'est juste que c'est une limitation technique, très probablement, qui a dû les forcer à limiter le jeu jusqu'à 2 joueurs maximum. Et même dans Legend of Mana, on pouvait jouer à 2, hein, dans Legend of Mana.
Donc il n'y en a pas tant que ça, mais pour moi c'est quand même la légende. Enfin, je veux dire, Secret of Mana, c'est le porte-étendard de la série. C'est dommage de pas avoir essayé de faire un mode multijoueur. Ça aurait pu être sympa. Donc oui, là je voulais montrer surtout le moment où il utilise un lasso, il fait dash en arrière comme ça, paf, et après il prend un lasso, il attrape le lapin et il va pour continuer à l'enchaîner en l'air. Donc là on voit que ça équipe du coup les différentes tenues élémentaires. Donc la tenue du feu, hein. Donc là on a les techniques de Sylph, on peut s'envoler, etc. C'était quoi, c'était ombre là aussi, enfin, il a l'air de faire des déplacements rémanents et tout. Là ça a l'air d'être Dryade, et là c'est Ondine. Là le Ondine avec le petit dash, en étant en train de nager en fait dans l'air de combat. Ça a l'air d'être vachement bien. Ouais, si j'ai dans notre mana, il y en avait un. Il y a des NPC qui peuvent nous aider. Il y a des NPC qui peuvent nous aider, donc on voit qu'il y avait l'héroïne là qu'on voyait, enfin, qui parlait au début. Donc voilà, selon les combats, voilà, ils vont pouvoir nous aider. Bah, d'ailleurs, elle utilise totalement Lumina. Totalement la magie de la lumière avec elle. Mais elle n'est pas jouable, elle. Donc on a un petit Flammy aussi qui nous aide, hein. Et on a d'autres PNJ qui vont nous aider sans doute au fur et à mesure. Les montures, donc ça c'est la monture qui nous avait été montrée lors de la présentation du jeu. Donc on a aussi des montures iconiques comme Flammy ou le Kappa. Après on a des espèces d'invocations de terre et tout ça, on a la possibilité d'utiliser Ondine. On avait vu dans d'autres vidéos, hein, qu'on pouvait utiliser aussi Sylph pour faire des phases de plateforme, genre utiliser le pouvoir du vent pour sauter plus loin, etc. Il y a l'air d'avoir pas mal de possibilités en termes de gameplay, ça a l'air d'être trop chouette. En tout cas, mais vous avez vu, ils mettent souvent l'accent sur cette esquive aérienne. Hein. Le jeu a l'air d'être tellement maniable en fait. On voit qu'il est en train d'agir en l'air, mais on peut cancel comme ça en esquivant. Le jeu, il a l'air d'être tellement arcade dans ses mécaniques, ça a l'air d'être plaisant en fait. Bon, par contre, la choucroute du héros, c'est pas possible. Et donc, je voulais finir cette actualité pour vous parler de cette différence. Donc, voilà la version japonaise. Donc, c'est l'artwork qu'on a vu, hein, à la fin du trailer. Donc, artwork illustré par Akan, donc illustrateur de la série des Mana depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, hein, ça fait longtemps qu'il est illustrateur de la série. Et donc sur la version occidentale, donc américaine et européenne, on va avoir ça. Donc c'est la même illustration, sauf pour le héros, qui fait la bagarre. Là il fait la bagarre. Il fait la bagarre, parce que là, nous les occidentaux, on fait la bagarre. À nous, on n'achète pas un jeu si le héros il fait pas la bagarre. Alors j'ai toujours du mal à comprendre les décisions du marketing. Hein, pour se dire, tiens, là non. Là non, 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 non. Là le héros il fait pas la bagarre. Non, non, nous on veut que le héros il fasse la bagarre. Au moins on a échappé à l'illustration en 3D CGI. Ça arrive souvent, genre Dragon Quest 11 par exemple, hein, ça paraît de l'exemple Dragon Quest 11. Dragon Quest 11, nous on avait une jaquette en 3D CGI, alors qu'au Japon, même si on avait la recto verso, hein, c'était recto verso, même si du coup on avait donc l'illustration de Toriyama sur le verso, etc. On avait une illustration en 3D CGI pour DQ11 pour la jaquette, quoi. Là ils ont juste changé, donc demandé à l'illustrateur de faire une autre illustration pour le héros, pour l'Occident. C'est assez rigolo d'avoir décidé de faire ça. Surtout que moi je vous le dis honnêtement, enfin j'ai un petit sens du dessin, je suis amateur un peu de tout ce qui est graphisme, illustration et compagnie. Je trouve qu'au niveau de la composition, enfin déjà ça se voit pour moi au premier coup d'œil que le dessin il a été pensé comme ça par l'illustrateur. Que là, c'est l'illustration complète finale. Et que finalement, là, il a juste enlevé le héros pour ajouter, en fait, une... En fait, ça fait vraiment collage.
On a vraiment l'impression qu'il est collé à un endroit où il devrait pas être, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Hein. Après, je trouve pas ça moche non plus. Hein. Parce que justement, c'est une vraie illustration du chara-designer. Ils ont fait l'effort de faire ça, etc. Dommage qu'ils n'ont pas pu faire l'effort de faire une vraie illustration différente, en fait, pour les autres personnages. Et pas faire un truc juste le collage de... d'un seul artwork. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs à l'époque de Tales of Symphonia Dawn of the New World, Ratatosk no Kishi en japonais. Il y a une illustration différente, que ce soit en japonais ou en américain. Attendez, si je vous retrouve vite fait le truc, je vais aller voir par exemple sur GameFAQs. Ça devrait être Tales of Symphonia Dawn of the New World. Et donc, si on va voir les boîtes, tac. Ah, même aux États-Unis, c'était différent. Aux États-Unis, c'était pas terrible. On a la boîte japonaise, donc qui est dessin de Daigo Okumura. Boîte américaine, toujours pareil, Daigo Okumura, mais là, c'est juste les deux personnages. Ça fait vraiment plus américain, on le sent en plus. Hein. Mais ils ont vraiment fait un dessin différent à chaque fois. Et la boîte européenne, qui est encore différente, là, le dessin, je trouve qu'il défonce. Je trouve que c'est la meilleure version, la version européenne. Là, c'est mieux, je trouve. T'as vraiment trois versions différentes. La japonaise, elle est aussi excellente. L'américaine, c'est la moins recherchée, finalement. Vraiment beaucoup plus simple. Mais ils aiment bien faire ça aux États-Unis, un truc un peu plus impactant. Ils aiment pas que les personnages soient juste passifs, etc. Mais là, la composition du dessin, elle est ouf. Elle est oufissime. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas fait la même chose. Le même rendu pour... Pour Vision of Mana, c'est-à-dire au lieu de changer juste l'artwork du héros, vraiment refaire toute la composition du dessin, mais bon, ça devait demander beaucoup trop de travail au chara-designer aussi. Mais ouais, ça me fait rigoler ce cheminement de pensée, justement. Ils se disent « Ah, c'est l'Occident, hein. Il faut qu'ils fassent la bagarre. Allez, l'épée à la main, comme ça !» C'est rigolo. Voilà pour cette actualité, en tout cas c'était infini, mais j'espère bien sûr que ça vous a plu. On va passer au dossier du jour avec la saga Kingdom Hearts, le projet Kingdom Hearts. Donc on est parti. Donc, la série Kingdom Hearts, qui est une série crossover entre Squaresoft et Disney, que vous connaissez sans doute, puisqu'aujourd'hui, c'est très certainement une des séries de RPG les plus populaires, de RPG japonais, les plus populaires au monde, hein, en termes de vente, etc. Enfin, voilà, tu combines Final Fantasy même avec les personnages de Disney. Alors, c'est Final Fantasy sans vraiment être Final Fantasy. Mais finalement, en fait, Final Fantasy s'est greffé de plus en plus. Enfin, de plus en plus. En tout cas, à la base, c'était pas censé être du Final Fantasy à proprement parler. C'était censé être vraiment un RPG Disney. Alors, il y a plusieurs choses à savoir, en fait, pour le développement de la série Kingdom Hearts. C'est que... à la base, c'était des discussions entre Sakaguchi et Shinji Hashimoto à Square qui pensaient à Mario 64 et qui voulaient avoir un jeu avec une exploration aussi permissive que Mario 64. Et justement, en pensant à cette idée de tableau avec des mondes, etc. Et le hasard a fait que... Square se trouvait dans le même bâtiment que Disney au Japon, à l'époque, Squaresoft. Donc dans un ascenseur, Hashimoto, il a pu discuter avec un représentant de Disney, et ils ont eu cette petite discussion pour se dire oh, « ça serait bien de faire un truc ensemble oh, !»« on s'entend bien, on pourrait faire un truc ensemble !» Et ça a fini par aboutir donc au projet qui a commencé par être... qui a été donné directement à Tetsuya Nomura pour la réalisation. Du coup, son premier poste de réalisateur à Tetsuya Nomura, puisque le bonhomme s'est fait connaître, bien sûr, grâce à FF7, parce qu'il était... Nomura, il est actif chez Square depuis la version... comment elle s'appelait déjà, la version modifiée de FF4? C'était Easy Type, un truc comme ça. C'est une version adaptée avec le gameplay de l'Occident, une version simplifiée de FF4. Donc c'est là où il a commencé vite fait
à faire quelques piges pour Square, et après il a été un petit peu plus important sur FF5, Nomura en designant plusieurs monstres, etc. D'ailleurs, à la base, il était vraiment parti pour... Parce que c'était moins bien payé de designer des monstres que d'être directeur artistique ou quoi. Mais à la base, il voulait vraiment... Enfin, c'est ce qui l'a passionné le plus, en fait. C'est pour ça qu'il continue d'ailleurs de faire de l'illustration aujourd'hui. Hein. C'est que c'est quelque chose qui le passionne vraiment, le design. Et après, il est devenu chara-designer de la série Final Fantasy à partir du 7. Donc là, il a pu briller au niveau mondial. Et c'est qu'à partir de la série Kingdom Hearts qu'il a pu avoir la direction d'un projet pour lui tout seul. Et donc il a commencé à le développement donc de ce premier jeu qui était censé être... Alors à la base c'était censé être un jeu un peu plus centré sur le gameplay avec pas beaucoup d'aspects narratifs. Mais Sakaguchi il est arrivé devant Nomura, il a mis la main sur l'épaule. Ça se voit que j'invente un petit peu la mise en scène hein. C'est... J'en sais rien en fait s'il lui a mis la main sur l'épaule, hein, mais je l'imagine comme ça. Il est arrivé, la main sur l'épaule, il a dit Tetsu, tu vas droit dans le mur. Si tu fais pas quelque chose qui est aussi ambitieux qu'un Final Fantasy en termes de narration, tu vas jamais faire marcher ce jeu. Et du coup c'est ça qui a motivé Nomura en fait à proposer quelque chose de bien plus profond en termes de narration, quelque chose de beaucoup plus sombre et tout ça. D'ailleurs justement... Ça posait pas trop de problème à Disney de faire quelque chose de plus sombre, de sérieux avec les personnages de Disney. En vrai, ils ont réussi à trouver le bon équilibre pour gagner tout ça. Donc le but finalement, ça a été de faire un RPG à la Squaresoft, mais en visitant les mondes de Disney, les différents mondes de Disney. Et je peux vous montrer le premier trailer qui avait été diffusé à l'E3 2001. Tac. Avec déjà... Des musiques composées par Yoko Shimomura. Il faut que je fasse attention avec les musiques de Kingdom Hearts parce que c'est des trucs qui sont sous droit d'auteur. Là, ça se trouve, ma VOD, elle est déjà démonétisée hein, à cause de cette musique. Mais donc là, vous pouvez voir un peu le premier modèle parce que vous allez voir que par rapport à KH1, le jeu est très différent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets pas de musique de Kingdom Hearts. À la base, j'ai prévu de mettre des musiques de Kingdom Hearts sur la VOD du stream, mais vu qu'elles sont coupées apparemment même par Twitch, du coup je prends pas trop le risque. Là je prends le risque, hein, je prends un gros risque. Hein. Donc c'est pour ça que je parle par-dessus. Voilà, un nouveau RPG pour la PlayStation 2. Donc c'était en développement, le développement a commencé aux alentours des années 2000, hein, donc là il était déjà quasiment prêt. Mais vous voyez que visuellement il n'était pas encore prêt le jeu, il avait encore quelques détails à peaufiner. Mais on voit déjà les différents mondes... On voit déjà les personnages, etc. Donc le projet était déjà bien avancé à sa présentation lors de l'E3 2001. A la base, il devait sortir pendant l'hiver 2001. Donc fin d'année, voire début d'année 2002. Finalement, il sortit un poil plus tard au Japon et quelques mois qui suivirent dans le reste du monde. Et d'ailleurs, Kingdom Hearts 1 a eu une version Final Mix aussi, qu'on appelle Final Mix, qui était une édition un peu définitive, qui rajoutait le contenu. Ça, c'est un truc qu'ils aimaient bien faire avec les versions des Final Fantasy aussi. C'est que Final Fantasy, il y avait des versions internationales qui ressortaient. Du coup, la version internationale, en général, rajoutait le contenu supplémentaire de la version européenne ou américaine. C'était le cas, par exemple, pour FF10, qui avait eu du contenu en plus sur notre version à nous. Et dans la version internationale japonaise, du coup, ce contenu en plus a été rajouté. Là, c'est pareil, en fait, il y avait déjà du contenu en plus qui a été rajouté sur nos versions, mais qui a été re-rajouté pour les Japonais, avec encore plus de contenu inédit, notamment une nouvelle fin secrète et tout ça. Parce qu'il y a ce délire de fin secrète qui est apparu à partir du premier Kingdom Hearts. On va en parler un petit peu juste après, mais à la base, Nomura, il pensait pas faire des suites. Mais il attendait de voir si le jeu avait du succès, mais donc il a fait une fin secrète un peu en mode teaser si les fans réclamaient une suite en fait. C'était pas du tout prévu de faire une suite à la base. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trous au niveau de la narration. On voit que le logo était aussi différent. Hein. Vous voyez qu'il y avait pas mal de différences hein, finalement dans le premier teaser du jeu. Mais voilà, d'ailleurs, justement, le titre à la base... Il s'était axé autour de Kingdom, je sais plus par rapport à quel Disney d'ailleurs, mais ils n'ont pas pu avoir les droits du titre qu'ils voulaient à la base, donc finalement ils ont appelé ça Kingdom Hearts,
Parce que le cœur a une des un des thèmes centraux du scénario quoi. Mais ouais, donc du coup, on a Kingdom Hearts 1. On va aller sur. D'ailleurs, je vais laisser les musiques de Seiken 3. Je suis désolé pour l'ambiance auditive du live. Mais ouais, malheureusement, les musiques de Kingdom Hearts, même les musiques de Yoko Shimomura, sont strikées. En fait, là, c'est même pas juste pour un problème de démonétisation, hein. C'est que Twitch peut me couper le son de ma VOD. S'il entend des musiques de Kingdom Hearts, c'est chiant. Hein. Donc j'espère que là déjà il le fera pas pour ce qu'on vient d'entendre. Bon là sur la compilation, etc. Donc on s'en fout un peu. Alors Kingdom Hearts à la base, bon là c'est la version HD, mais à la base sortie en 2002 comme je disais. Donc nous raconte les aventures de Sora, un jeune homme qui vit ses vacances d'été avec ses amis sur une petite île juste en face de son village natal. Et il va être emporté en fait, ça va être du isekai, hein. Il va être emporté, un moment il y a une catastrophe qui se déroule sur l'île, il va être emporté pour voyager dans différents mondes. Et en fait il va rencontrer Donald et Dingo, et qui recherchent leur roi, donc le roi Mickey. Et ils vont explorer les mondes de Disney. Et donc Sora va repartir à la recherche de ses deux amis. Riku, qu'on voit ici, et Kairi, du coup, une fille qui est avec eux. Non, parce que les trois ont été séparés, évidemment. Donc ça va être ça, la quête principale donc du premier Kingdom Hearts. Mais bon, dans tout ça, bah, Riku, on voit que c'est un mec en quête de liberté. Il veut... Il a ce côté un peu bad boy. Il va se laisser attirer par les ténèbres, voilà, donc tout ce délire classique, hein, du shonen très 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 basique, hein, où on a le héros bercé par la lumière et son pote rival plus fort que lui, qui lui va se laisser tenter par les ténèbres. Et bien sûr, le love interest pour Sora. Bref, on a le setup très très basique du shonen, hein. Bon, voilà, ça c'est la cinématique début. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, avec la série Kingdom Hearts, c'est que on a toujours cet aspect très onirique. Là, le jeu commence comme ça, il n'y a aucun dialogue. On est vraiment dans un monde un peu, une sorte de monde de rêve, où on a notre héros donc qui va avoir une sorte de c'est pas une lutte, mais c'est vraiment une sorte de choix intérieur où il va devoir choisir donc des équipements, etc. Ce qui va déterminer notre évolution tout au fur et à mesure du jeu. En gros, là, si on choisit telle ou telle arme, qu'on choisit une arme et qu'on a abandonné une autre, là, RIP, hein, il a choisi épée, il a enlevé défense, ses compétences sont foutues. Non, je dis ça parce que si on fait le jeu en hard et qu'on n'a pas des compétences du genre dernière force ou quoi, c'est très compliqué. Hein. Je pense pas qu'il est en hard, mais cache 1, aujourd'hui le gameplay il est quand même un peu rigide. Bref. Donc là en fait il faut choisir une compétence et en oublier une autre. Ce qui va déterminer en fait l'apprentissage de nos compétences au fur et à mesure. Parce qu'on va avoir un système de compétences au fur et à mesure qu'on prend des niveaux. On va apprendre différentes capacités. Voilà, donc là tout ce début en fait c'est vraiment le truc dans son fort intérieur et tout. Et après, à un moment, on a un système de questions, ça arrive aussi dans quelques jeux de Square, comme le début de Dragon Quest 3 sur Super NES par exemple. On a un système qui détermine un peu notre personnalité. Ils aiment bien faire ça aussi dans Kingdom Hearts. Et là, on voit qu'on a deux personnages de FF10, Tidus et Waka, on a aussi Selfie de FF8. C'est assez rigolo, donc ils vivent aussi sur l'île hein, avec eux, hein, apparemment. Les personnages de FF sont totalement intégrés au lore de Kingdom Hearts. Hein. Comme étant des personnages secondaires de l'univers de Kingdom Hearts. Donc c'est pour ça que c'est vraiment du Final Fantasy hein, en lui-même. Hein. C'est que les personnages de Final Fantasy sont clairement réutilisés, on va dire. Même si c'est pas les vrais, en fait. C'est pas les vrais Tidus, etc. quoi. Enfin, je pense pas. C'est juste qu'ils sont réutilisés, hein, on va dire, un peu en clin d'œil, quoi. Parce qu'après, on va retrouver du Cloud, du Cid, Yuffie... Tifa, Aeris. Tifa c'est dans le 2. Je crois pas qu'elle est dans le... Non, elle est pas dans le 1. Et bon, on va retrouver... Et bien sûr, Léon.
Squall de FF8 hein, qui va être redesigné et tout pour l'occasion. Et ça c'est plutôt stylé parce qu'en vrai, avec le redesign et le travail, on va dire, un peu, c'est un peu comme si c'était le chef de l'armée rebelle en gros, Squall. Il y a une sorte d'approfondissement du personnage, je trouve. On a vraiment une sorte de Squall d'après FF8, on a l'impression dans Kingdom Hearts. C'est assez sympa. Mais ouais, donc il y a toujours ce côté lutte contre les ténèbres. Dans le premier Kingdom Hearts, on lutte contre les 5 cœurs. Donc, une espèce de monstre dénué, bien sûr, de tout cœur, hein, qui cherche juste à étendre les ténèbres sur les différents mondes de lumière. Donc c'est très... c'est très nanar, hein, que le raconter comme ça. Mais ça, c'est apporté avec pas mal d'onirisme, pas mal de poésie. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui marche bien dans Kingdom Hearts. Alors souvent, quand on parle de la série Kingdom Hearts, les gens qui jouent à Kingdom Hearts, ça c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'on dit souvent que c'est un scénario complexe. C'est pas un scénario qui est si complexe que ça, c'est juste que... Il est fait au fur et à mesure, déjà, le scénario de Kingdom Hearts, hein, il est pas prévu à la base. Et donc il est très bordélique, il est très... vu qu'on te fait les choses au fur et à mesure, on te rajoute plein de petits trucs au fur et à mesure et ça rend les choses un peu confuses en fait. C'est confus, plus que complexe, c'est confus. Mais en vrai, quand tu arrives à délier tout ça, c'est très très simple à comprendre. Il faut juste réussir à faire les jeux dans l'ordre et pas s'endormir, bien sûr, quand il y a des éléments de lore. Hein, mais... Parce que le lore en lui-même, il est très léger. Parce que souvent... Plus de la moitié du jeu, en général, c'est des mondes de Disney qui vont développer l'histoire des mondes de Disney pour faire un parallèle avec l'histoire principale du jeu. Genre, il y a toujours une petite morale dans les mondes de Disney qui vont donner un petit élément de réponse à Sora pour se dire « Ah oui, cet élément me rappelle ça, peut me permettre de faire le lien avec mon ami Riku, etc. » Enfin, ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont disséminés de manière assez intelligente. Donc c'est pas un scénario qui est complexe, mais je trouve qu'il est bien raconté quand même, c'est raconté de manière intelligente. Du moins jusqu'à Dream Drop Distance. On y reviendra après. C'est si important de faire les spin-offs? Alors à la base non, mais d'après Nomura... d'après Nomura non, du coup, hein. Donc à la base non. Mais à partir d'un moment, en fait, c'est devenu tellement du fanservice dans tous les sens que oui, c'est devenu beaucoup trop important. Beaucoup trop important de faire les spin-offs. Parce que à la base, du coup, après ce jeu, il y a eu du succès et tout ça au niveau mondial. Ils ont voulu développer une suite. Donc ils se sont mis sur Kingdom Hearts 2. Nomura a pensé à faire un jeu qui se passe un an plus tard. Mais il ne voulait pas expliquer les événements qui se déroulaient pendant ces un an. Et donc, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient du Kingdom Hearts sur console portable et tout, il a commencé à penser à un Kingdom Hearts sur GBA. Et il s'est dit que ça pouvait être la bonne idée de raconter ce qui se passait pendant les un an et de justifier également la remise à zéro des compétences de Sora dans Kingdom Hearts 2. Donc en gros, là, ça permet d'expliquer... Vous imaginez qu'à l'époque... Il se faisait chier de faire un truc comme ça, hein, pour justifier le fait que Sora, il avait perdu ses compétences. Alors que dans FF7 Rebirth, tu commences level 10 au début du jeu, on t'explique rien et on s'en fout. Il y a une différence entre le Square d'il y a 20 ans et le Square d'aujourd'hui, je dis ça... C'est fou quand même, hein. C'est à l'époque qu'ils vraiment, ils avaient cette perfection. Maintenant, ils s'en foutent. Ils s'en foutent un peu. Donc, Chain of Memories, à la base sorti sur Game Boy Advance, donc raconte les aventures de nos personnages dans le manoir Oblivion, où au fur et à mesure, donc Sora va perdre de plus en plus de souvenirs. Et donc, c'est ce qui va l'amener finalement à Kingdom Hearts 2. C'est Namine qui va réécrire tout ça. Qui va réécrire donc Namine, qui est un... Ça rentrait dans les détails, hein. Je vais pas commencer à vous dire c'est un simili qui est à la fois le cœur de machin et de trucs. On va on va éviter de rentrer dans les détails techniques, sinon on est là pendant 3 heures.
si je commence à vous expliquer qui est tel ou tel personnage. Mais bon, c'est un personnage assez énigmatique, Namine, et du coup, c'est un personnage... Déjà, là, on est sur GBA, hein. C'est une vraie vidéo qui a été conçue avec le moteur sur PS2 et réencodée, du coup, avec le... Parce qu'on pouvait faire, on pouvait mettre des vidéos sur GBA. Donc, encodée avec les possibilités de la GBA, du coup. Bah finalement, ouais, c'est ça, c'est que la série n'a pas vraiment de spin-off. En fait, la série, t'as des épisodes avec des sous-titres et des épisodes numérotés. Épisodes numérotés, on peut dire que c'est les épisodes qui ont l'intérêt principal, c'est les gros jeux. Mais le truc, c'est que cette valeur n'a plus aucun sens, en fait, depuis Bird by Sleep. Bird by Sleep, c'est l'épisode 0, en fait, c'est Kingdom Hearts 0. Et le truc, c'est que... Parce qu'il a vraiment un volume de jeux aussi fort que KH1 ou KH2, quoi. En termes d'importance, en termes de volume de jeu, c'est pas un jeu qui est en dessous, quoi. Mais en tout cas, là, pour de la GBA, c'était impressionnant de voir une cinématique comme ça. Et après, bon, le jeu, il ressemble à ça. Donc, petit jeu en 2D avec deck building, hein, comme tous les jeux 1D d'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut savoir que le jeu est développé par Jupiter, ceux qui feront par la suite The World Ends With You. Donc, on ressent un petit peu les similitudes, hein, avec le game design et compagnie, par rapport à The World Ends With You. Mais ouais, du coup, c'est un très bon jeu, Chain of Memories. Je trouve qu'en termes de narration, c'est peut-être un des meilleurs Kingdom Hearts à mes yeux. Je trouve qu'on a le meilleur Sora. Sora, il a jamais été aussi profond, je trouve, dans ce qu'il évoque que dans Chain of Memories. Malheureusement, il est perdu à jamais, ce Sora. Il est perdu à jamais. Mais c'est vraiment trop stylé, Chain of Memories. Enfin, si vous l'avez pas fait, je vous laisse quand même la surprise. Oula, attends. J'ai perdu les cutscenes de Re-Chain of Memories. Attendez, je vais aller les trouver ici parce que j'ai une playlist complète là. Là j'ai KH3, hop, tac. Ah le... J'ai dû fermer la fenêtre sans faire exprès. Parce que c'était tellement le bordel avec cette... attends, où j'en suis, voilà. Re-Chain of Memories. Alors, Re-Chain of Memories, il était sorti avec la final mix de Kingdom Hearts 2. Donc, Re-Chain of Memories, c'est un remake complet à la base sur PS2 de Chain of Memories, donc qui reprend le même moteur que Kingdom Hearts 2, plus ou moins, et qui réadapte donc le système de jeu du jeu Game Boy Advance, donc pour pouvoir y jouer sur PS2. Parce que bon, vous imaginez le bordel, hein. Si vous voulez faire l'histoire, parce que c'est un élément d'histoire important, hein. Cet élément d'histoire est vaguement résumé dans le 2, mais c'est important vraiment de faire Chain of Memories pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de Kingdom Hearts 2, parce que surtout dans KH2, il y a l'intégration de l'organisation 13, mais on voit que cette organisation, elle est intégrée justement dans cet épisode-là, elle est teasée dans la version Final Mix. L'inconnu, hein, qui est un boss secret de Kingdom Hearts 1 et également de la version Final Mix, il est teasé dans cet épisode là et du coup la fin secrète de KH1 Final Mix teasait aussi pas mal de trucs, hein, par rapport à KH2 et du coup Chain of Memories permet de commencer à intégrer cette nouvelle brigade de méchants, hein, donc les principaux antagonistes de la série, l'Organisation 13, qui sont présents dans ce jeu et donc qu'on affronte même dans ce jeu. Hein. C'est dans ce jeu, on en affronte plusieurs et même on se débarrasse de quasiment la moitié de l'organisation dans ce jeu. Donc c'est quand même assez énorme. Ce qui fait que dans la suite, on va dire, le développement de l'organisation se fait dans Kingdom Hearts 2, du coup. Mais voilà, donc remake complet de Chain of Memories. Donc aujourd'hui, c'est la version qu'on a sur toutes les compilations, etc. Hein, c'est le remake. Mais la version GBA, je la préfère. Elle a vraiment son charme. Elle est vraiment trop trop cool. Mais c'est le même jeu sinon. Hein. Et sauf que là, on a des vrais cutscenes, on a du doublage, etc. Hein, c'est le jeu, il est vraiment fait comme un Kingdom Hearts PS2 en fait. Donc il est bien plus ambitieux. Même si bon, en termes de cutscenes, en vrai, on n'a pas non plus énormément de choses. Ça reste assez bref, parce que ça reste souvent des dialogues très simplistes. Hein. Vu que c'était un jeu bonus, à la base, sur PS2, parce qu'il était avec la version Final Mix au Japon, il était sorti aux États-Unis quand même, celui-ci. Hein. En Europe, jamais. On a dû attendre la compilation sur PS3 pour avoir droit d'y jouer en Europe et en français, du coup, à cette version de Chain of Memories.
Et sinon, par contre, le Chain of Memories GBA, il est sorti. Hein. Il est sorti chez nous. Sinon, c'est Hans qui a fait ce jeu. C'était donc 3. J'aime bien l'appeler 358. Alors, la vraie prononciation à la japonaise, un japonais, il prononce 358 over 2 days. Donc, c'est long à dire. Je sais pas s'il y a un surnom à ce jeu. On peut dire over 2 days, sinon, je pense que ce sera peut-être plus rapide. Donc, ce jeu raconte le passé de Roxas dans l'Organisation 13. Alors, je le présente maintenant. Mais en vrai, il faudrait que je le présente plus tard parce qu'il est sorti après KH2, ce jeu. Roxas, c'est le personnage qu'on joue au tout début de Kingdom Hearts 2. Donc, personnage un peu mystérieux et tout ça, on comprend pas trop qui c'est. Toute l'intro de Kingdom Hearts 2 permet de nous mettre en avant qui est ce personnage. C'est pour ça que il vaut mieux faire Kingdom Hearts 2 avant de faire ce jeu, ou du moins de regarder les cinématiques, parce que si vous avez les compilations, en fait, la compilation... des cinématiques de Over 2 Days de 358, du coup ça se cale avant Kingdom Hearts 2. Et ce qui est totalement con, c'est que là vous regardez l'introduction, donc l'opening de ce résumé de cinématique nous spoil carrément des scènes de Kingdom Hearts 2. Donc ouais, franchement, si vous faites la série dans l'ordre, hein, regardez-le ou faites-le après Kingdom Hearts 2. Il vaut mieux. Parce que là, ça nous montre directement des scènes de Kingdom Hearts 2, ça n'a aucun sens. Et ça va spoiler en plus des éléments de Kingdom Hearts 2, en fait. Donc c'est beaucoup mieux de le découvrir dans ce sens, en fait. Comme ça a été créé à la base. C'est-à-dire d'abord faire Kingdom Hearts 2. Donc Kingdom Hearts 2, voilà, c'est le gros jeu de la série, là. C'est fou d'avoir réussi à sortir en l'espace de 3 ans. Donc Chain of Memory sur Game Boy Advance et Kingdom Hearts 2 en 2005, parce que Kingdom Hearts 2, il est tellement ambitieux comme jeu, il est tellement ouf, l'amélioration en termes de gameplay, même la profondeur, ce que soit l'exploration des mondes, l'exploration en elle-même même, qui a été largement améliorée, hein, le jeu était très, très limité en termes d'exploration, je trouve, dans le premier Kingdom Hearts. Le Blood Mix, ça peut être cool quand ça sera terminé. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont déjà fait pour Ecodad, Oniseb. Donc, ce que dit Oniseb, en fait, sur le chat, c'est que il y a des gens qui, avec l'émulateur Melon DS pour 358 et Ecodad, qui développent une version 4K des jeux pour pouvoir y jouer en fait avec les cinématiques de la version PS3, PS4, enfin la version HD, quoi, des résumés. Plus le jeu remanié pour avoir des meilleures textures, etc. quoi, en bien meilleur état. Pour y jouer en vrai 16:9 et tout, comme un Kingdom Hearts classique. Donc c'est une sorte de petit remaster fait maison, quoi. Ouais, sur un seul écran et tout. Donc c'est pas mal du tout, en vrai. Hein, c'est pas mal du tout. Mais j'ai pas beaucoup parlé. Je vais en parler après, en vrai. On va plutôt le... Parce que là, je vous l'ai mis dans l'ordre de l'édition HD. On va parler juste après de Over 2 Days, ça sera plus simple. Donc là, voilà, on voit justement tout le segment, donc on joue Roxas, etc. On comprend pas trop ce qui se passe, mais après, voilà, évidemment, on va jouer Sora, hein, ça reste toujours le héros principal du jeu, toujours les mondes de Disney et compagnie, hein, ça reste... D'ailleurs, là, c'est le bon moment, puisqu'on est dans les enfers de Hercule, et on a Auron de FF10 qui nous accompagne, ça c'est tellement stylé, tellement une surprise de ouf, ça. Mais ouais, je voulais revenir vite fait du coup sur le jeu DS, parce que ce jeu a une structure très très spéciale. C'est un jeu à mission, en fait, sur DS. C'est un jeu à mission, ce jeu sur DS, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu dois juste faire des objectifs, tu avances, en fait t'as plusieurs jours à passer, t'as des événements de scénario principal, mais tu dois faire des petites missions. D'ailleurs, il y a un aspect multijoueur aussi dans ce jeu, où on peut jouer en ligne, enfin je crois pas qu'on peut, c'est peut-être que en local, ouais je crois que c'est que en local. Je sais plus s'il y a un mode en ligne, online, en fait. Mais voilà, on progresse en fait au sein de l'Organisation 13 avec Roxas dans ce jeu. Donc ce qui permet d'avoir un petit peu plus de développement autour du personnage. Mais en vrai, en termes de narration, il apporte très très peu de choses. Là où c'est intéressant, c'est la fin du jeu, en fait, qui développe plusieurs points qui avaient été développés par Kingdom Hearts 2, en gros. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe à la fin. Ensuite, Kingdom Hearts 2 avait proposé également une fin secrète. Donc,
En fait, les épisodes principaux, finalement, c'est les épisodes à fin secrète, avec une vraie vidéo ambitieuse. Et la fin secrète nous proposait un teasing de ce Birth by Sleep. Birth by Sleep, c'est Kingdom Hearts 0, simplement. Donc, comme je disais, aussi ambitieux que KH1, KH2, à la base prévu sur PS2. Finalement, c'est la PSP qui va être choisie sur la fin de son développement. Enfin, la fin. Sur les étapes avancées de son développement. Parce qu'il voulait développer aussi quelques aspects multijoueurs avec Birth by Sleep. Il y a aussi quelques aspects multijoueurs qu'on peut débloquer dans le jeu. On a une espèce de mode arène où on peut faire la bagarre avec des potes et tout. Cet épisode est assez incroyable parce qu'il me permet de mettre en évidence donc un trio, mais cette fois-ci un trio jouable de héros. Donc on voit qu'on a un personnage qui a la même tête que Roxas d'ailleurs, donc c'est assez intéressant, c'est assez intriguant. Et donc un trio avec Ventus, Terra et Aqua qu'on va jouer à tour de rôle. On peut choisir leur scénario. Hein. Et une fois qu'on finit les trois scénarios, en fait, on a une vraie fin qui se débloque pour nous amener sur la conclusion qui va nous relier tout ça à la série principale Kingdom Hearts. Enfin, la série principale. Ça reste la série principale, ça, mais vous avez compris, quoi. Meilleur personnage de la série, tu parles de Aqua? C'est le meilleur personnage de la série jusqu'aux trois quarts de Kingdom Hearts 3. À ce moment-là, c'est le disrespect. Et ouais, donc je vous montre le vrai jeu en lui-même. Hein. Donc à la base, c'est un jeu PSP. Donc la caméra est assez proche à cause de ça, parce que c'est un jeu PSP. D'ailleurs, il y a des mods sur PC pour éloigner la caméra. Je vous en parlais un petit peu du modding sur PC. De toute façon, ça va être le segment suivant pour parler du modding. Mais voilà, donc c'est un excellent jeu PSP qui propose son propre système de jeu assez unique. Parce que contrairement à avant, dans la série Kingdom Hearts, en fait, il faudrait que je puisse avoir du gameplay, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous montrer le panneau de commande en fait, dans la série Kingdom Hearts pour faire vraiment une comparaison, parce qu'en fait, je suis en live, hein, je déroule des informations, mais j'oublie la moitié des trucs. Évidemment, ça, c'est tout moi. C'est que vous voyez que dans le HUD, on a un panneau de commandes. Alors, à la base, dans Kingdom Hearts, c'était vraiment les commandes à la Final Fantasy. C'est-à-dire qu'on a le truc attaque, magie, objet, etc., etc. Mais sauf que le jeu, c'est un action RPG qui se joue en temps réel. Et d'ailleurs, dans le premier Kingdom Hearts, afin de faire en sorte qu'on puisse sélectionner les options facilement, plutôt que de contrôler la caméra avec le stick, tiens, c'est marrant parce que là, mon stick droit contrôle ma souris. Très bien. Donc plutôt de contrôler la caméra avec le stick droit, on contrôlait justement ce panneau de commande pour faire du menuing en plein combat. Et ça faisait que les gâchettes L2 et R2 nous permettaient juste de tourner la caméra. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus ergonomique. Finalement, ils ont rétrogradé, ils ont fait machine arrière avec Kingdom Hearts 2. Ils ont décidé de faire en sorte qu'on contrôle la caméra avec le stick de droite et donc qu'on contrôle le menu juste avec les flèches, même si ça demande une torsion, hein, évidemment, quand tu contrôles le personnage avec ton pouce gauche pour aller sélectionner le menu comme ça, bah, il faut faire un peu la prise de l'araignée, ou alors on prend la main droite pour bouger le personnage et on fait le menuing comme ça. Bon, après, pour sélectionner, bonne chance, hein, il faut jouer plusieurs façons différentes, c'est bizarre. Bref, vous m'avez compris. Mais vu que c'est un action RPG, forcément, t'as pas le temps, on va dire, de sélectionner ton menu de manière agréable. Ils ont décidé de changer ça avec les jeux portables, vu que là, on est sur une console déjà un petit peu plus limitée en termes de boutons. Déjà, on n'a pas deux gâchettes, enfin quatre gâchettes en haut. On n'a qu'un seul stick sur PSP. Mais du coup, là, le menuing va directement nous mettre des compétences qui vont dérouler et se recharger avec un cooldown. Donc on a une jauge de commande. C'est une fonction qui va être reprise dans pas mal d'épisodes de la série. On a ces fonctions dans la plupart des épisodes portables en général sont comme ça.
Kingdom Hearts 3 reprend le menuing classique, hein. Comme dans le 1 et le 2, finalement. Mais là, on a une structure comme ça sur les épisodes portables de la série, en général. Ah bah oui, trop d'émotions. Mais c'est ça qui est fort, en fait, c'est que là, on a trois héros pour le prix d'un. Et ça, c'est très fort, en fait. C'est très fort, c'est que les personnages sont vraiment cool, ils sont assez charismatiques et tout, ils sont vraiment chouettes à suivre, quoi. Donc, ça, il fait du bien, vraiment, ce jeu. Kingdom Hearts Coded. Alors là, je triche un peu, c'est quelqu'un qui a développé un émulateur qui a apparemment fait avec le code source du coup de ce que le jeu proposait. Donc c'est une vraie version du jeu. Coded, à la base, c'est un projet un peu annexe qui développe. En fait, c'est on explore les données collectées par Gemini en jouant un Sora fait de données. Donc c'est un Sora data. Et ce jeu était disponible uniquement sur téléphone portable. Les téléphones portables japonais, vous savez, les services de téléphone portable japonais qui avaient pas mal de jeux, notamment le FF7 Before Crisis et compagnie, quoi. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc à la base, Coded, c'était ça. Et donc, il y a eu Recoded sur DS également. Qui est un remake intégral. Donc lui, au moins, il a eu un remake, hein, comparé à... Et qui reprenait, je crois que c'est la même team du coup qui a fait... C'est Hans qui fait le jeu, non? Attends, je regarde dans les crédits. Ouais, c'est Hans qui a fait le jeu, donc c'est le même staff qui a fait Kingdom Hearts Over Two Days, le 358. Mais là aussi, ça demande pas mal de choses de KH2. Et donc, bien sûr, hein, les jeux DS, enfin le jeu DS, comme son grand frère, il a été remanié en résumé de cinématique dans les compilations. Donc celui-ci est disponible dans la compilation 2.5. Drip Drop Distance, l'épisode des 10 ans sorti sur 3DS. Drip Drop Distance, c'est la première suite canon de Kingdom Hearts 2. Donc là, on est vraiment à la suite de KH2. La suite directe de KH2. Qui vont mettre en scène Sora et Riku dans un examen de la maîtrise de la Keyblade pour devenir des maîtres de la Keyblade. Donc en gros, ça va être ça le but du jeu. Explorer le monde des rêves. Donc avec justement des nouvelles... un nouveau type de mob. Hein, parce que Kingdom Hearts 2, j'avais pas parlé, avec l'Organisation 13, etc. rajoute les simili en plus des 5 heures. Et là, on rajoute les... Comment ça s'appelle? C'est les Dream Eaters. Mange-rêve, un truc comme ça en français. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais en fait, ce jeu est pas si mauvais que ça, mais pour moi, c'est là où le scénario m'a perdu. C'est là où je me suis dit que le scénario, il faut arrêter. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et le truc, c'est que KH3, malheureusement, ne relève pas du tout la barre, à mes yeux. C'est au niveau narratif, on est vraiment sur un soufflet qui s'est bien effondré, à mes yeux. En fait, c'est là que tu vois que c'est un truc qui est fait au fur et à mesure et qui finalement n'a pas réussi à se construire correctement. On sent qu'après... Surtout que j'ai pas trop parlé de Birth by Sleep, mais en vrai, il y a une fin secrète à Birth by Sleep qui tease un petit peu la suite que va apporter Kingdom Hearts 2. Mais la fin secrète de Birth by Sleep, alors la fin secrète de Birth by Sleep Final Mix, hein, du coup la deuxième fin secrète, qui montre, on va dire, une sorte de lien à tous les Kingdom Hearts, etc. Ça fait un peu l'apothéose, comme si c'était le grand final, on va dire, de l'arc. Finalement, c'était pas du tout la fin de l'arc. Mais du coup, on est sur... on était sur le début, bien évidemment, de la fin de cet arc. Parce que Dream Drop Distance, c'est le premier morceau qui va servir... c'est un peu le Chain of Memories de KH3, en gros, ce jeu. C'est un jeu qui permet de développer les éléments... en gros, si vous, cet épisode, il n'est pas indispensable, mais la fin du jeu, elle est quand même très utile pour comprendre KH3. Pour comprendre des choses de KH3, parce que toute l'Organisation 13 a un petit remaniement qui est un peu développé dans ce jeu. Très vite fait, mais... Non, Ursula en boss au début, hein, c'est assez rigolo. Bon, bien sûr, on a toujours tous les mondes de Disney. Je fais pas trop la présentation des mondes de Disney, mais vous avez compris qu'il y a pas mal de mondes de Disney, évidemment. Ça va dépendre de votre génération, votre connaissance des mondes de Disney et tout ça, mais bien sûr, l'affect des mondes de Disney, moi, c'est plus dans les premiers Kingdom Hearts, avec du...
Bon, Hercule, on l'a dans tous les Kingdom Hearts, donc c'est cool. Mais Tarzan dans le 1, t'avais du Peter Pan, t'avais du La Petite Sirène, qui était un monde horrible dans le 1, hein, parce que le système de nage est vraiment dégueulasse. Il y avait également, dans le 2, par exemple, t'avais du Pirates des Caraïbes qui était intégré, des trucs un petit peu plus modernes pour l'époque. Pirates des Caraïbes, d'ailleurs, qui revient dans le 3 aussi, hein, qui est d'ailleurs super beau, visuellement. Le 3, c'est plus des films modernes en général. D'ailleurs, ils ont pu avoir la collaboration avec Pixar dans Kingdom Hearts 3. On va y revenir. Ils peuvent utiliser maintenant Pixar, Marvel, et même il me semble que LucasArts, je crois qu'ils sont pas fermés. Mais pour l'instant, il n'y a rien, je crois, par rapport à des choses autour de Star Wars. Il a dessous l'Assemblée 13. Aïe, aïe, aïe. Borbassib 0.2, qui nous permet du coup de développer... Alors, ce jeu est dans une autre compile. Après les compiles 1.5, 2.5, ils ont sorti de compile 2.8. Ce n'est pas une blague. Donc la compile 2.8 contient Drip Drop Distance, l'épisode 3DS, 0.2, qui est totalement inédit, qui est une sorte de démo technique de KH3 d'ailleurs, hein, qui est développé sous Unreal Engine. Et ça contient également un résumé de... Enfin, une histoire en cinématique dans le monde du jeu mobile, Kingdom Hearts Key. Du coup, il s'appelle Back Cover, le résumé en cinématique. Enfin, le résumé, c'est pas un résumé, mais c'est... En gros, c'est un mini UAV, on va dire. Mais donc, ce Kingdom Hearts Borbasleep 0.2, bah, c'est une suite directe de Borbasleep. Ce qui permet du coup de continuer à jouer personnage d'Aqua. Et donc, bon, je vais pas développer un petit peu ce qui se passe, etc. Bon, pour laisser un peu la surprise à ceux qui n'ont pas encore découvert Kingdom Hearts. Mais ce qui permet d'avoir donc du développement autour de tout ça. Voilà, mais ça permet d'apporter quelques petites réponses en plus. Il est très court ce jeu, c'est vraiment un jeu qui se finit en 2 heures. C'est très très court, mais ça reste sympa. C'est une bonne petite démo qui permettait d'avoir vraiment une mise en bouche pour KH3 à l'époque. Donc ça reste assez sympa. Paf, le jeu mobile, Kingdom Hearts Key, le début des embrouilles, même si les embrouilles avaient déjà commencé, parce que c'est déjà bien trop. Donc le jeu mobile, alors je vais peut-être montrer des vraies cinématiques pour vous montrer la gueule que ça a. Bon, le jeu mobile en lui-même, je le trouve pas très intéressant, pas une gueule de ouf. Mais il permet de raconter des éléments du passé, une époque où donc on nous évoquait des choses justement par rapport à une guerre de la Keyblade, etc. dans Borbasleep. C'était juste évoqué. Là, en fait, on va nous mettre en évidence un royaume en fait où les possesseurs de Keyblade n'avaient pas encore disparu. C'est un peu comme la genèse de Star Wars. C'est-à-dire que les Jedi sont portés disparus dans les chroniques de Luke Skywalker. Mais avant ça, bah, y avait toute une fédération. Voilà, y avait eu toute une communauté de Jedi. Et c'était pareil avec les maîtres de la Keyblade finalement. Qui sont finalement portés disparus dans l'ère de Sora. Mais qui ont perduré à une époque. Et donc là, ça nous permet de développer tout ça. En fait, tout ce lore avec cette cité et tout ça. En vrai, le scénario est plutôt intéressant. Alors là, il n'y a pas les sous-titres, mais c'est des vidéos qu'on fait. Je crois que c'est Kingdom Island. Kingdom Hearts Island. Qui ont fait toutes les cinématiques sous-titrées en français. Donc ça peut être sympa vraiment pour profiter du scénario du jeu. Parce que le jeu est fermé aujourd'hui, je crois pas qu'on peut y rejouer. Même, enfin, il y a Darkrod après qui a repris le même moteur, mais je sais pas s'il reprend les cinématiques du jeu. Je sais pas si on peut jouer aux anciennes versions du jeu. Bref, c'est le bordel de toute façon aujourd'hui. Donc cet univers là a été utilisé pour le troisième jeu, entre guillemets, qui se retrouve dans la compilation 2.8. Donc Kingdom Hearts Key Back Cover. Et en fait, c'est pas qu'un résumé du jeu mobile, ce jeu. C'est pour ça que je parle pas trop de résumé. Parce que, enfin, c'est pas un résumé du jeu mobile. Ça apporte un point de vue différent autour d'autres personnages. Parce que ces personnages-là, on les voit dans le jeu mobile. Mais là, c'est autour de leur point de vue qu'on va suivre le déroulement des événements.
Donc c'est voilà, c'est assez intéressant, mais voilà, c'est un lore auquel il faut s'investir un petit peu. C'est, ça permet de développer. Est-ce que ça c'est utile vraiment pour comprendre KH3, etc. Non. Mais il y a des références. Il y a des références, mais c'est pas indispensable. Après, bon, il y a peut-être des éléments importants qui peuvent être. Ça en fait on le saura sur la suite de la série. Parce que en fait, Kingdom Hearts, c'est une série qui est construite toujours avec plein de trous narratifs. Et Nomura d'ailleurs avait dit justement qu'il fait exprès de laisser des trous narratifs. C'est pour ça que Sora, vous voyez, quand on commence à l'incarner, en fait, quand on commence à incarner nos trois héros, on nous dit pas ils habitent en face, on nous dit pas quel est le nom de leur village, on sait pas s'ils ont des parents, on sait pas. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas en fait autour des personnages. Et le fait de laisser plein de trous narratifs, d'après Nomura apparemment, c'est de pouvoir faire marcher l'imagination des joueurs. Et comme ça, il se dit que quand les jeux vieilliront, dans le futur, en fait, il y aura toujours ce côté mystérieux, en fait, qui va rester. Ça va toujours permettre d'élaborer des théories, d'imaginer quelque chose, etc. Dans son idée, en fait, c'est de pouvoir permettre de créer un monde plus riche que les gens vont pouvoir agrémenter eux-mêmes de leur plus farfelue théorie. Ouais, je trouve ça un peu limite comme explication, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, y a toujours beaucoup de zones d'ombre en fait qui sont laissées dans Kingdom Hearts, et des trucs qui sont dans Kingdom Hearts 1 sont toujours pas répondus aujourd'hui. Ça qui est assez ouf. Meilleure musique. J'ai mal à la gorge. Kingdom Hearts 3. Ce jeu, c'est de la merde. Non, en vrai, Kingdom Hearts 3, c'est très bien. C'est très bien, mais par contre, ouais, là c'est trop les mondes Disney, ce jeu. Et finalement, le scénario du jeu... en fait, j'ai pas ressenti le Kingdom Hearts 2 dans ce jeu. Moi, je m'attendais à un Kingdom Hearts 2-like qui développe des choses aussi fortes, etc. Là, on était vraiment sur un jeu, en fait, qui te fait faire plein de mondes Disney, parce que Sora, il est devenu nul. Du coup, il faut faire plein de mondes Disney pour que Sora redevienne fort. Et du coup, à la fin du jeu, bah, c'est le rush final. Sora, il est tellement devenu fort. Vous voyez, il a fait 100 pompes par jour, comme Saitama, tu vois. Il est devenu Saitama, du coup, il est devenu trop fort. Et du coup, ben, Sora, il termine tout le monde. Il n'en laisse pas pour les autres, du coup. Voilà c'est quoi le résumé de KH3. Non, ce que je veux dire, c'est que on nous tease quelque chose, une grande guerre entre les guerriers de la lumière, les guerriers des ténèbres, etc. Et finalement, en fait, ce qui m'a déçu de ouf, c'est que les personnages secondaires sont restés au second plan. Enfin, t'as des personnages comme Kairi qui sont développés tout au long de la série, et en fait, qui sert à rien dans le jeu. Finalement, le DLC arrange énormément de choses, mais le problème du DLC, c'est qu'il est sorti un an plus tard, et du coup, il arrange des choses vraiment, vraiment trop importante en fait, qui aurait dû être là dès le début. Donc ce jeu, en l'état, hein, dans sa version Vanilla, Kingdom Hearts 3, pour moi, c'est un jeu qui est beau, bon gameplay, etc., même si le principe des attractions, c'est un petit peu monotone, hein, on se fait un petit peu chier. Vaut mieux éviter d'utiliser les attractions pour profiter du vrai gameplay du jeu. Hein. En vrai, si on cherche un minimum de challenge et tout, il y a plein d'options maintenant pour pouvoir se compliquer la vie, hein, avec des modes de difficulté et compagnie. Donc c'est aujourd'hui, le gameplay du jeu est quand même beaucoup plus profitable, mais c'est chaud de se dire qu'il faut enlever des mécaniques de jeu pour profiter du gameplay. Parce que le gameplay sans les attractions, en vrai, il est mille fois mieux. c'est un truc de fou. Et du coup, en fait, c'est que des mondes de Disney qui me parlent beaucoup moins, très personnellement. Et surtout que là, c'est vraiment que des mondes de Disney remplissage. C'est-à-dire que c'est vraiment pour que Sora redevienne plus fort. Alors que, bon, tu le laisses à la fin de KH2, t'as l'impression que Sora, il était trop fort, quoi. Ben, en fait, non, il faut le faire redémarrer à zéro, parce qu'il est, à cause de Dream Drop Distance, il est redevenu nul. Voilà, c'est comme Chain of Memories, hein, qui a fait en sorte que Sora redevienne nul dans KH2, du coup. Là c'est pareil, Dream Drop Distance ça fait en sorte que Sora redevienne nul. Mais en fait là le problème c'est que c'est aussi dans le cerveau que ça joue. Sora, je veux bien que c'est pas une flèche ou quoi, mais quand tu vois le Sora de Chain of Memories qui te sort des phrases ultra philosophiques et tout, et que là t'as l'impression de voir une régression en mode Goku de Dragon Ball Super, ça fait mal quand même.
ça fait mal de se dire, en fait, surtout que quand t'es un adolescent qui a grandi avec Sora, parce que moi, bah, j'étais ado quand j'ai connu Kingdom Hearts. Du coup, bah, KH1, je l'ai fait, j'avais 12 ans. KH2, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Donc j'ai grandi avec Sora. Et je voyais le personnage grandir. Mais quand j'ai fait KH3, j'avais 29 ans. et je le vois régresser. Je le vois régresser, le personnage. Donc c'est quand même terrible. C'est terrible. Je le vois pas évoluer, je le vois régresser. Donc c'est dommage. Donald Le Goth. Mais ouais, donc c'est... J'ai beaucoup de choses à reprocher à ce KH3, mais ça reste un bon jeu en vrai dans l'ensemble, hein, surtout au niveau de ses mécaniques, sa construction, etc. Même si je suis déçu aussi sur l'aspect Final Fantasy qui est vraiment mis au second plan, hein, qu'il y a plus d'aspect Final Fantasy. Il y a plus Sephiroth en boss secret. C'était la règle dans KH 1 et 2, Sephiroth en boss secret. Les épisodes numérotés avaient cette règle du Sephiroth en presque boss ultime, quoi. C'était vraiment le petit clin d'œil, le petit caméo trop stylé, quoi. Là, il n'y a même pas de caméo de FF. Pour voir les caméos de FF, c'est-à-dire les mecs de Traverstone, hein, il faut acheter le DLC. Et ils sont juste là dans une cinématique pour présenter le projet, quoi. C'est fou, hein. C'est fou, ils sont juste là dans une cinématique vite fait dans le DLC, quoi. Tu les revois même pas. C'est un truc de fou. J'ai encore des espérances... Ben, plus vraiment, ouais. En fait, j'étais fan de la série Kingdom Hearts à une époque, mais je pense que Dream Drop Distance et KH3 ont bien, bien, bien atténué tout ça. Il y a toujours des trucs trop bien, les musiques sont trop cool, etc. Mais il y a encore des jeux qui sortent, hein. Là, je vous ai parlé de Dark Road tout à l'heure, donc c'est le jeu mobile actuel, hein, de la série Kingdom Hearts, hein. Donc voilà, on peut aussi... donc là, on a l'évolution, enfin l'histoire du jeune Xehanort qui est développé dans ce jeu. Ce qui permet d'en apprendre plus sur le personnage. On a Melody of Memory qui permet de développer un peu le lore de Kairi, qui est un jeu de rythme. C'est un jeu de rythme développé par Indie Zero. Ceux qui ont fait les Theatrism. Donc, jeu de rythme sympa, mais je trouve qu'il est illisible, hein, en termes de pattern, vu que on n'est pas sur un truc... stable, vous voyez, en termes de routing. Bah, comme tu vois les trucs un peu en biais, vous voyez, là, il y a un virage, tu sais pas, parfois, tu sais pas quand un truc va arriver avant l'autre, quoi. C'est assez déstabilisant, je trouve. J'aime pas trop, en tout cas, le mapping en lui-même, je l'aime pas trop. C'est pour ça que ce jeu, je l'ai pas fait. C'est le seul Kingdom Hearts que j'ai pas fait, en dehors des jeux mobiles, hein, évidemment. Donc, mais j'ai quand même regardé le scénario. Sinon, il y a Missing Link, donc, qui est censé sortir cette année. Celui-ci, c'est un jeu mobile Kingdom Hearts qui ressemble déjà plus à un vrai Kingdom Hearts. En termes de visuel et de gameplay. Donc là, c'est la bêta qui a été jouée il y a quelques temps. Mais le jeu est censé sortir cette année. Il n'y a toujours pas d'informations. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, il joue avec une manette PlayStation. Hein. On peut y jouer avec une manette PlayStation apparemment au jeu. Mais le jeu a l'air d'être plutôt beau pour un jeu mobile. Il a l'air d'avoir le même visuel que Kingdom Hearts 3, du coup. Enfin, je dirais plus que Bravely Default 2. On dirait trop Bravely Default 2, hein, le visuel des personnages. Parce que ça fait vraiment du KH3 en mode plus simplifié. Hein. De toute façon, c'est Unreal Engine, quoi, je suppose. Et, bien évidemment, donc l'annonce de Kingdom Hearts 4, hein, qui avait été fait à l'occasion des 20 ans de la série. Et donc, il nous montre un Sora Alors là, on est sur Unreal 4, mais le jeu sera sur Unreal 5 apparemment. Donc, il est loin d'être finalisé. Donc, on nous montre la première vidéo, on va dire teaser, pour montrer un Sora tel un vrai japonais qui habite à Shibuya. Le Sora de Shibuya. Donc là, on part totalement en couille. Hein. Le vrai monde qui rentre... D'ailleurs, au début du trailer, ils mettent que c'est l'arc du maître perdu. On verra ce que ça développe. Hein. En vrai, si tu redémarres à zéro, que tu proposes quelque chose de nouveau, ça peut être intéressant, mais il faut voir si c'est cool. Mais déjà, là, j'ai l'impression de voir Sonic Adventure, vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire un monde... Enfin, t'as pas besoin de mettre le monde réel dans le monde de Kingdom Hearts. Donc, c'est étrange. Jump Force, c'est ça. Après, c'est beau. Hein. C'est beau ce qu'ils nous montrent, là. Mais c'est, là, c'est pas du vrai gameplay, évidemment. Hein. C'est du gameplay mytho, comme ils ont souvent fait. Pour nous montrer le truc. Hein. Et ouais, c'est... En tout cas, en termes de dynamisme d'action et tout ça, s'ils arrivent vraiment à proposer un truc comme ça, ce qui est possible, hein, ça a l'air d'être super impressionnant visuellement. Faut voir... C'est Gurren Lagann aussi. Mais faut voir un petit peu ce que ça donnera. Mais j'ai pas trop de doutes. Hein. Niveau gameplay, en général, Kingdom Hearts, ça reste toujours sympa. Hein. Même KH3, hein, j'ai beau critiquer le système d'attraction et tout, le gameplay reste vraiment bien. Non, des mecs à capuche! Tout mais pas ça! Après la dissolution de l'Organisation 13, le retour du retour de l'Organisation 13. Ouais, faut voir ce que ça donne. Et donc on voit bien sûr toujours les fidèles acolytes de Sora, Donald et Dingo. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de préciser par rapport au développement de Disney, parce que j'ai présenté beaucoup la série, c'est qu'au final, Kingdom Hearts 1 n'a pas trop satisfait Disney du fait que... Enfin, dans le sens où ils voulaient voir plus Mickey, en fait, dans le jeu. Mickey, on le voit quasiment pas dans KH1, donc ils ont fait en sorte aussi de pouvoir mettre en avant un peu la souris, hein, évidemment. Ce bon vieux Mickey. Mais voilà où on en est pour la série Kingdom Hearts aujourd'hui. Allez, on va parler un petit peu de la version Steam qui vient de sortir. Avant de commencer à jouer, je vais vous montrer quelques petits trucs pour le modding. Parce que je vais vous montrer comment on peut jouer avec les voix japonaises à Kingdom Hearts. C'est parti pour le gameplay. Alors, Kingdom Hearts qui est sorti sur Steam il y a 2 jours, hein, ça y est, c'est officiel, enfin libéré de Epic. Et vu que le jeu est sorti en 2021 sur Epic, et bien, il y a déjà une communauté de mods qui est très 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 active. Je vous invite à aller sur le site Nexus Mod, vous recherchez Kingdom Hearts, vous allez trouver tout ce qu'il faut. C'est très très simple. Et vous pouvez trouver donc tout un tas de mods, vous pouvez trouver des textures HD, même des caméras modifiées, etc. Là j'ai mis les plus populaires. Hein. Alors il y a des trucs pour la version épique, etc. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est les voix japonaises, par exemple. Alors je vais continuer à mettre un peu de musique. Hop. Donc les voix japonaises, évidemment, qui vont nous intéresser. Et d'ailleurs... Ah oui, j'ai oublié de... Il faudrait que je... Oui, on peut y aller ici, parfait. Parce que pour installer les voix japonaises, en gros, ce qui nous donne ici, c'est donc télécharger les voix japonaises du jeu. Or, ça y est, pour tous les jeux, j'ai vérifié, hein, pour tous les jeux, il y a juste des petits bugs pour Dream Drop Distance, mais ça, c'est à cause de la façon dont le jeu a été réalisé. Apparemment, les timings des cinématiques ont l'air d'être différents, donc il y a des petits écarts entre le doublage japonais et le timing anglais, du coup. Donc parfois, il y a quelques écarts, mais sinon, tout le reste, ça marche très très bien. Donc, ce qui se passe pour Kingdom Hearts, par exemple, là, c'est juste les voix pour les actions. C'est-à-dire quand on va agir en exploration, etc. Donc là, c'est juste tout ce qui est voix de magie pour tous les personnages du jeu, soit les personnages, les ennemis et tout ça. Et on a aussi les vidéos. On a aussi les vidéos que vous pouvez télécharger ici, mais regardez, ça fait quand même 10 gigas. Sur le Nexus Mode, on est très limité. On est très 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 limité en termes de débit. Sauf si vous êtes en premium, que vous payez, etc. Vous n'êtes pas limité, mais... Donc... Pour éviter d'avoir à télécharger tout ça, ça c'est indispensable à télécharger, donc c'est juste 2 gigas, ça va, c'est pas si énorme que ça. Ça va mettre quelques minutes à télécharger, parce qu'on télécharge, je crois, on est limité peut-être à 1 MO seconde, un truc comme ça. Peut-être 2 MO seconde, je sais plus. Donc il faut télécharger ça, et pour l'installer, il faut utiliser
ce petit programme. Attends, c'est bien celui-ci? Oui, c'est ça. C'est le. Donc, KHPC Patch Manager. Ce petit programme à installer, d'ailleurs, qui a été remis à jour. Attends, c'est bien celui-ci? Non, non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci, c'est pas la bonne version là. C'est pas la bonne version. Que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Est-ce que t'as un lien de la bonne version, Oniseb? mais bon, bref. C'est un petit programme à télécharger. Ils l'ont mis à jour pour... Oui, c'est confus. Hein. Je pensais que ça allait être le bon lien, en fait. C'est ça qui est un peu chiant. Ça qui est un peu chiant. Du coup, attendez, il faudrait que je trouve la bonne version. Tac. C'était où? Je suis confusé. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En gros, ce petit programme va permettre d'installer le patch des voix japonaises. Parce que si vous remplacez juste les voix japonaises par les... En fait, ça va créer des bugs. Ouais, j'avais posté sur Discord, mais le truc, ça a beaucoup parlé dans le canal Square Enix, c'est ça le problème. Comment il s'appelle le truc? KHPC. KHPC. Ah, ça le trouve pas. Patch, bon. Est-ce qu'il y a un GitHub qui est posté? Je sais pas, non, il y est pas. Bon bref, je le retrouve pas. Tout va bien. Ah, c'est terrible. Quand les choses se passent pas, ils ont pas les bons liens. Mais pourquoi ils ont plusieurs liens? Attends, c'est peut-être parce que je suis pas... Pourtant, c'est bien ça. Ah non, attends. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est bon. Parce que là, on était forked from Antonio de Pau. De casser PC Patch. Donc, parce que c'était republié par quelqu'un d'autre. C'est bon. Fallait juste cliquer sur le lien à côté. Release. Donc, version 1.2.1. Réalisé il y a 2 jours pour la version Steam. Qui va détecter automatiquement les dossiers Steam. Donc, en gros, quand vous allez patcher vos jeux. Enfin, vous allez télécharger le système de voix. Enfin, là, par exemple, je vais sur KH2. Où sont les voix japonaises? Il y a même les voix françaises, si vous voulez modder avec les voix françaises. C'est pour ceux qui sont fans des voix françaises. Mais là, je fais le plus simple parce que les voix japonaises, vous allez pouvoir... Ah, mais ils ont même mis les fichiers Steam. Des voix. Bon, c'est les mêmes, je suppose. Ils viennent d'ajouter les fichiers Steam sur Nexus, c'est rigolo, ça. Du coup... par rapport à la version japonaise, donc vous téléchargez juste ça et pas les movies c'est à part hein. Juste ça, et après avec ce petit logiciel ça va vous demander juste de mettre le patch et le fichier de destination. C'est juste le fichier, donc là pour KH2 ça va être dans 1.5.2.5 dans le répertoire Steam du jeu. Ça va patcher pendant quelques minutes et une fois que c'est fini, c'est bon, vous avez les voix japonaises. Sauf pour les vidéos. Pour les vidéos, c'est un peu plus technique. J'ai fait un petit tuto en screen. En gros, pour récupérer toutes les vidéos qui sont répertoriées ici, hein, vous pouvez les télécharger ici si vous voulez. D'ailleurs, là, c'est beaucoup moins gros, les vidéos. C'est juste 1,5 giga. Bref. Là, pour récupérer les vidéos, en fait, quand vous allez sur Steam, genre là, c'est la compile 1.5, 2.5, vous allez sélectionner le japonais dans la langue. Ça va télécharger automatiquement tous les fichiers japonais du jeu. Ensuite, vous allez copier le dossier Steam pour le garder de côté. Donc le dossier où il y a marqué Steam en majuscule. Dedans, il y a toutes les vidéos de toutes les versions des jeux. C'est-à-dire, il y a les... Il y a KH1, Rich End of Memories, KH2, etc. Burst by Sleep. Donc là, il y a toutes les vidéos. Donc vous le gardez de côté. Vous réinstallez la version française. Donc en repassant par là, mais sauf que vous mettez français à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un petit zoom là, pour vous voyez un petit peu mieux. Donc, vous gardez de côté la version japonaise. Vous repassez en français. Et du coup, vous copiez... Pardon. Vous copiez le dossier Steam sur que vous avez copié donc de la version japonaise, hein, que vous avez copié au préalable autre part. Hein, vous le copiez et remplacez du coup toutes les données du dossier Steam de la version française. Ce qui fait que ça va remplacer toutes les vidéos par les vidéos japonaises. Du coup.
qui permet donc d'avoir directement la version japonaise intégrée. Donc c'est pas natif, il n'y a que pour KH3 où c'est natif. Hein. Du coup, pour la version 2.8, c'est la même chose. Dossier Steam, mais uniquement pour Dream Drop Distance. Parce que c'est le seul jeu qui est dans le truc, dans le Dream Drop Distance, c'est le seul qui est dans un dossier similaire, voilà. 0.2, il est vraiment à part. Il est vraiment à part. Et du coup, pour 0.2, c'est ce dossier-là, Crymovie, qu'il faut copier et mettre de côté quand vous passez sur la version japonaise. Mais il y a plus de choses à faire pour 0.2. C'est un peu différent. Donc il faut aller sur Nexus Mode. Là vous avez juste un petit fichier de 30 emo à télécharger pour les voix japonaises. Donc là c'est juste les voix japonaises in-game. Donc c'est juste 30 emo à télécharger. Et en gros il faut aller dans le répertoire. Donc on est dans le dossier du jeu. Hein, vous voyez, on est dans 2.8. 0.2. Content. Packs. Et dans ce dossier Packs, on a déjà un fichier pack là qui est là, qui est installé, hein, qui est présent. Il faut créer le dossier mods avec une petite vague là comme ça. Vraiment, il faut l'écrire pareil. Hein. Si vous ne mettez pas la petite vague devant, ça va pas marcher. Et à l'intérieur, vous mettez le fichier des voix japonaises. Ici. Et là, ça va automatiquement détecter les voix japonaises. Et c'est bon, vous aurez les voix japonaises de base en fait dans le gameplay du jeu. Donc c'est un peu plus technique, mais voilà, ça peut permettre d'installer tout ça. Alors ça demande de la bidouille, mais c'est le PC gaming, c'est comme ça. Hein. Square Enix aurait dû mettre les voix japonaises directement accessibles pour toutes les versions des jeux. Parce que là, en fait, dans l'idée, c'est que si vous voulez jouer avec les voix japonaises nativement, il faut jouer en full japonais, sous-titres japonais aussi. C'est comme ça que ça marche. Alors il n'y a pas de voix française là, de base, hein. Mais les voix françaises, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller les choper en mode. Hein. Il y a des gens qui ont fait des modes pour restaurer les voix françaises de la version PS2 sur le jeu version PC. Donc vous pouvez tester ça si vous voulez. Ça marche aussi avec le KH PC Manager. C'est le même petit programme pour installer le truc. Mais derrière, bien sûr, là, il va falloir tout télécharger. Les vidéos en français. Oh, ils ont fait les vidéos en français sur Steam, là. Donc le patch est déjà faisable sur Steam, du coup. Il est déjà faisable sur Steam. Ah, et là il y a un ajout de compatibilité. Ah, c'est si on a déjà le dossier Epic, c'est juste la compatibilité. Et là, du coup, on a juste le pack full Steam, du coup. Ah, ils ont été rapides, hein. Le jeu est sorti à peine il y a 2 jours, et ils ont déjà fait le patch français pour la version Steam. C'est rigolo. De quoi la solution pour les crashs à répétition sur Kingdom Hearts, tu joues sur Rogue Ally. Alors malheureusement, c'est un problème connu. Et d'ailleurs, même sur Steam Deck, le jeu avait des problèmes de compatibilité. Et justement, c'est pour ça que j'allais montrer après le jeu sur Steam Deck. Déjà, là, ce que je vais vous montrer, c'est simple, c'est qu'on va aller lancer un jeu. Bah, je peux montrer, par exemple, je vous ai parlé de 2.8, on va lancer 2.8 vite fait. Normalement, il devrait avoir les voix japonaises, il devrait pas avoir de soucis. Parce que j'ai fait donc du coup toutes les manips, comme je vous ai expliqué. Hop. Alors, attendez que je retrouve... j'ai oublié de changer le nom du dossier en bas à gauche. Ah oui, mais il faut que je lance d'abord le jeu avant de faire la capture. Parce que c'est pas capturé sur la même fenêtre. Parce que le menu des compilations, c'est pas le même truc, finalement. Donc là, je vais attendre que le jeu se lance. Tac. Voilà. Là, on a 0.2. Alors, je change pas de catégorie de jeu. Hein. Là, je monte juste vite fait pour vous voyez comment ça marche. Ce serait peut-être mieux si j'affichais la source, ouais. Ça serait peut-être encore mieux, ouais, je pense. Ouais, du coup, sur Rogue Ally, même aujourd'hui, ça n'a pas été corrigé. Mais la version Epic a pas été remise à jour depuis.
Parce que, est-ce que la version Steam, elle marche, Oniseb? La version Steam du... Même si c'est juste pour tester, je mets quand même la... je mets quand même un expert... Ah, c'est tous les jeux Kingdom Hearts, même sur Steam du coup. Rogalai. À cause de la PU, d'accord. Et à la base, sur Steam Deck, ça marchait pas bien aussi. La version de base. Alors, voyons voir si ça marche. En vrai, je sais même pas si ça va marcher. Cette cinématique, je l'ai pas essayé. Ça se trouve, ça marche pas. Ah oui, j'ai oublié une autre précision par rapport à KH2 et Bird by Sleep aussi. Mon tuto est pas complet du coup. C'est qu'il y a des dossiers dans les cinématiques. Merci. Merci le japonais. Donc oui, dans KH2 et Bird by Sleep, il y a un dossier dans les cinématiques qui s'appelle EN et en japonais il s'appelle JP. Du coup, il faut qu'on mette le dossier JP. Ben, ce qu'il y a dans le dossier JP, dans le dossier EN, quand on joue à la version française du jeu. Sinon, on n'aura pas les cinématiques en CGI en japonais. Genre les openings, etc. Voilà, donc là, ça marche très bien, y a pas de souci. Hop, on va passer la cinématique. Et donc, pour vous montrer un petit peu le jeu en lui-même. Parce que grâce au petit dossier que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc ça c'est grâce au petit dossier mods hein, que j'ai rajouté. Et bien ça permet d'avoir les voix japonaises donc en pleine exploration aussi. Donc c'est de la bidouille, ça demande quand même de chercher un petit peu. Après n'hésitez pas encore une fois, comme pour Dragon Quest, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions et tout, je peux y répondre sur Discord. Hein, on a déjà étudier le sujet dès que le jeu est sorti, donc on a déjà tout undebé pour jouer avec les voix japonaises. Mais c'est le même principe pour installer tous les autres modes en fait de la série. C'est ça l'avantage en fait d'avoir Kingdom Hearts sur PC aujourd'hui, c'est qu'on peut faire du modding. Et on peut enfin jouer facilement à Kingdom Hearts en japonais avec des sous-titres français quoi. Ça c'est chouette. Il y a que pour Dream Drop Distance où ça merde un petit peu, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est... Malheureusement, faut voir si ça sera corrigé. Et voilà en gros comment ça marche. Mais attendez, il faudrait que je vous... Je vais vous improviser le tuto numéro... Je vais vous improviser le dernier tuto en baissant bien sûr un petit peu les musiques parce que... Là, Twitch va me dire, mais attends, c'est des musiques de Kingdom Hearts, là. Tu veux faire écouter ça à tes viewers, tu es sûr? Vite! Je baisse le son. Donc oui, je disais, je vais improviser le tuto en allant dans le dossier de Kingdom Hearts 2, juste pour vous montrer le dossier que j'évoquais, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner. Alors... Voilà, en plus, les deux, ils sont dans le même répertoire. Voilà. Donc, il faut que je fasse un petit screenshot. Et vous allez voir. Tac. le screenshot en temps réel, hein, le tuto en temps réel qui est créé. Parce que, forcément, quand on oublie les trucs... Alors... tuto 6 en mettre tac toc je peux fermer le jeu de toute façon là je vais vous montrer un peu de Steam Deck juste après tac 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 il est là hop et c'est bon donc ici vous avez dans le dossier 1.5.2.5
En fait, c'est dans le dossier Steam, hein. De toute façon, si vous avez copié tous les fichiers japonais, en fait, vous allez vous retrouver avec deux dossiers. Si vous avez téléchargé les fichiers japonais, le fichier japonais sera déjà présent. Donc, en gros, la technique, c'est que quand vous allez remettre les fichiers en anglais, du coup, vu que le dossier anglais, il n'existe pas en japonais, vous allez prendre tout ce qu'il y a dans le dossier japonais, ou alors juste effacer vous pouvez effacer le dossier anglais et renommer celui-ci en EN, c'est pareil. Sinon, vous pouvez juste ouvrir le dossier et déplacer dans le dossier anglais, en fait. Vous remplacez juste les fichiers qu'il y a à l'intérieur. C'est les mêmes fichiers, hein. Ils ont le même nom. Donc, il faut juste changer ça. Donc, c'est dans les deux qui sont dans le dossier Jufix, là. Donc, c'est KH2 et Bird by Sleep. C'est les deux jeux qui ont ce petit tricks pour toutes les cinématiques en CGI, en gros. Ou les cinématiques un peu spéciales. Voilà, c'est le seul petit tricks qu'il faut connaître pour tout N2B. Et sinon, bah, je vais vous montrer... Hop, je vais choper le Steam Deck avec mes pieds, là. Ah, je suis en nage, il commence à faire vachement chaud, hein. Tac. Mais tout va bien parce que... Oula. Le jeu, il est déjà préparé. Alors, bien sûr, avec la webcam, ça va pas être une qualité de ouf. Mais ça me permet de vous montrer que le jeu, bah, il tourne plutôt bien. On peut y jouer en 60 FPS. Alors, là, c'est... Je pense que ça va être variable selon les mondes. Mais c'est juste pour montrer que ben on peut jouer à un jeu comme KH3. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir de mode. Hein. KH3, encore une fois, il est nativement en japonais. On peut choisir la langue de doublage dans les options. Là, il n'y a pas de souci avec Kingdom Hearts 3. Ça, c'est très très bien. Ça me donne presque envie de le refaire en vrai. Hein. Alors après, bon, je l'ai déjà fait en japonais, Kingdom Hearts 3. Hein. Je l'ai fait deux fois, le jeu. Hein. Je l'ai fait en japonais et je l'ai fait... Mais voilà, du coup... On peut voir, oui, je tape avec B. Je suis un vrai japonais. Moi, Kingdom Hearts, c'est une série que je connais plus en japonais. Vous voyez que là, ils vont me couper le son, là, pour... Je fais de la musculation, hein, totalement. J'ai du mal à jouer, hein, je vois rien. Faut que j'aille où, là? Mais ouais, il peut y avoir quelques chutes de framerate. Je sais pas si le focus est vraiment bien fait. Vous voyez bien, là, l'image? Et bon, ça permet de voir que le jeu est très fluide, hein. Du moins dans la plupart des environnements. Mais au pire du pire, hein, comme d'habitude sur le deck, si vous avez l'habitude de me voir parler du Steam Deck, vous pouvez bien sûr changer les options. Je pense qu'un solide 40 FPS, hop, un solide 40 FPS, c'est largement suffisant pour un jeu comme ça. Franchement, là, vous voyez que ça reste quand même très fluide en 40 FPS. Donc y a pas de souci, quoi. Et ouais, le jeu est quand même très beau là, hein. Il s'affiche très bien. Et surtout, j'ai revu il y a pas longtemps le live où j'avais montré la démo sur Switch avec la version cloud. Je l'ai revu pas plus tard qu'hier. Et donc en y jouant là à KH3 sur Steam Deck, et ben ouais, c'est le jour et la nuit. En fait, là vraiment, voilà, c'est pas une version cloud évidemment. Hein. T'as pas l'impression que le jeu est streamé et il est propre. En vrai, c'est un jeu PS4 à la base, hein, donc c'est normal que le deck le fasse tourner normalement. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut sacrifier. Parce que j'ai sacrifié un petit peu des paramètres graphiques. Je sais pas si je peux les voir là directement. Non, il faudrait que je revienne sur le menu. Est-ce que je peux quitter Ah si, je peux voir. Bah d'ailleurs, je peux vous montrer les options. Hop. Si ça veut bien faire un focus à un moment. Hop. Vous voyez, texte japonais. Donc on peut changer les langues. Tac. Et pareil pour les langues, on peut choisir ce qu'on veut. Donc là, on n'a pas de version à part. Hein. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, ils te disent 800p. Hein. Mais vous avez vu qu'il y a des bandes noires. Hein. Donc le jeu, en fait, il est en 720p là. Il est pas vraiment en 800p. Et donc là, ce que j'ai réglé, j'ai mis les paramètres, je les ai mis en moyen. Et le preset, enfin l'échelle de résolution, pardon,
Je l'ai mis à 75. Normal, l'échelle de résolution, elle est à 100. Donc j'ai baissé un petit peu l'échelle de résolution, vu qu'on est sur un petit écran. Pas la peine d'avoir... D'avoir un truc de ouf. Mais franchement, ouais, ça tourne bien, etc. Je pense que selon les effets... Parce qu'au tout début du jeu, avec ce setup-là en 60 FPS, au début, il y a plein d'éléments qui s'affichent, etc. Et ça, il y avait quelques petites chutes. Ça allait pas en dessous de 50. Ça arrive à tenir, je pense, dans la plupart des situations, je pense, le 60. Si on baisse peut-être un petit peu peut-être la résolution et trucs comme ça, et on active le FSR, je pense qu'on peut largement tenir le 60. Après, par contre, ça va peut-être un peu bouffer la batterie. Je pense qu'en 40, c'est le bon compromis, hein, pour avoir un jeu qui reste fluide. Sinon, on joue en 30, hein, comme c'était le cas sur... comme c'était censé être le cas sur PS4, à la base. Même sur PS4, en vrai, il était framerate unlock, hein, finalement. Sur PS4 Pro, on pouvait quand même atteindre les 60, hein, si on utilisait le mode spécial et tout. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Sur PS4, non. Sur PS4, il n'y a pas les voix japonaises sur Kingdom Hearts 4. C'est uniquement disponible sur la version PC. Donc les voix japonaises de Kingdom Hearts, des autres Kingdom Hearts, il faut bidouiller un peu. KH3 au moins, c'est directement disponible dans le truc. Voilà, je vais éteindre le deck. Donc voilà, le gameplay finalement, hein, vous voyez, c'était juste pour ça. C'était juste pour montrer qu'on peut bidouiller. Que c'est l'avantage du Steam Deck, hein, c'est qu'on peut... du Steam Deck. du PC Gaming surtout. Par rapport à ce genre de jeu, c'est qu'on peut bidouiller. Et pareil, pour Kingdom Hearts 3, il y a des mods et tout aussi. Hein. D'ailleurs, enfin, je peux regarder vite fait, là, Kingdom Hearts 3, il y a quoi comme mod? J'ai même pas regardé. Popular All Time. Alors, mouvement amélioré... on peut mettre les nouvelles compétences de Remind dans le jeu de base. Donc Remind, c'est le DLC. On peut mettre des nouveaux portraits, etc. Donc des portraits des anciens Kingdom Hearts. On peut changer les personnages. Il y a plein de modes dans tous les sens. La communauté, elle est ultra active. En vrai, c'est trop stylé. On peut jouer avec Vanitas. Il y a plein de trucs. Ah oui! Oh là, je suis en train de me dire, oh, putain, une petite run avec Roxas, là. petite run avec Roxas. Merci beaucoup, Dodo of Paradise. Merci pour ton 15e mois d'abonnement. Il tourne mieux que sur PS4. C'est ça qui est ouf, hein. C'est qu'il tourne mieux que sur PS4. Sur PS4, sur PS4 normal, le jeu... Après, c'est pas la même résolution. Sur PS4, je crois qu'il était en 900p, un truc comme ça. Mais c'est ça qui est fou avec le PC Gaming et le Steam Deck, c'est que derrière... Tu as cette liberté. Tu peux vraiment changer les options de ton jeu comme tu veux. Et c'est vraiment trop agréable, quoi. C'est vraiment trop agréable. Voilà pour cet épisode de Level Up. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai mal à la gorge. J'ai pas PC. J'ai pas PC Master White. J'ai pas bu. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. Semaine prochaine. On va espérer pouvoir faire Shin Megami Tensei 5 Vengeance, si j'ai le jeu, sinon je vais trouver autre chose. On verra bien. Des bisous, passez une excellente soirée, également bonne VOD à ceux qui voyaient la VOD. Je dis ça à la fin, tu sais, bonne VOD. Mais on vient de la finir, bon, d'accord. Et donc, ouais, à très vite pour un prochain épisode, surtout qu'il risque d'y avoir le Nintendo Direct la semaine prochaine, donc peut-être du contenu à couvrir, ça va être cool. Allez, des bisous.